Nous aimerions commencer nos travaux. Merci de regagner vos places pour que nous puissions commencer nos discussions. Right. It is a very big room and we're not... C'est une grande salle, il n'y a pas beaucoup de participants, donc si vous pouviez vous rapprocher du podium, de l'estrade, eh bien ce serait bien pour que nous soyons un peu plus intimes. Je m'appelle Marcus Kummer et je suis vice-président et responsable des politiques publiques à la Cité Internet. Et je suis également le président par intérim du groupe de travail qui a préparé donc les travaux de cette réunion. Nous avons un panel tout à fait distingué pour parler du rôle du gouvernement dans la coopération multipartite dans le cadre de notre thème, la construction de ponts. L'idée de ce titre est venue après la dernière réunion de décembre qui a eu lieu à Dubaï. Et on a ressenti le besoin de nous rassembler pour construire des ponts et pour parler aux gens et pour essayer d'atteindre les autres personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes opinions. L'un des thèmes qui nous occupe depuis ce sommet mondial sur la société de l'information, c'est le rôle des gouvernements dans le cadre de la coopération multipartite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques annonces techniques. Nous avons de l'interprétation dans les 6 langues onusiennes. Les casques pour l'interprétation se trouvent à l'extérieur de cette salle. Donc si vous êtes donc encouragé à utiliser votre langue maternelle. Nous avons des interprètes qui sont là et donc vous aurez besoin de casques pour les écouter. Et ces casques se trouvent à l'extérieur de cette salle. Je vous encourage également à faire usage de Twitter. Le hashtag c'est IGF2013 ou IGF2013. Donc, si on ne tweete pas de nos jours, eh bien, on n'existe pas. Nous encourageons également la participation à distance. Nous avons un modérateur à cet effet et nous espérons que nous pourrons donc engager ces participants autant que possible. Nous avons envoyé un appel pour les questions de politique publique. C'est une recommandation qui est ressortie du groupe de travail sous les auspices du CSTD, de l'ASTD, la CSTD. Donc, il faut se centrer sur 2 ou 3 questions de politique. Nous avons reçu des contributions. Et nous allons donc les afficher à l'écran un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est déjà prêt. Également, nous avons préparé des documents, des feuilles de papier. Vous pourrez donc écrire vos questions. Il y a des gens qui sont dans la salle qui pourront vous les distribuer. Si vous voulez écrire des questions, eh bien vous pouvez les donner au modérateur, donc Janet Hoffman et Matthew Scherz, qui vont essayer de modérer la salle et essayer de regrouper les questions si ils les reçoivent à l'avance. Mais vous pouvez également demander la parole de façon un peu plus spontanée. Sur ce, je vais donc présenter les panélistes et je vais commencer par la droite. Nous avons le ministre du Royaume-Uni qui est parmi nous, Ed Vasey. Et à sa droite, nous avons l'ambassadeur
Benedicto Fonseca Filho du Brésil. À ma gauche, nous avons l'ambassadeur Daniel Sepulveda des États-Unis. Et à sa gauche, nous avons Virat Bhatia de AT&T Inde. Ensuite, nous avons le président du groupe de travail d'ingénierie Internet IETF, Jari Arco. Et à la gauche, nous avons le représentant de la société civile, Avri Doria, consultante indépendante. Sur ce, j'invite le ministre, M. Feizi, à donner sa vision concernant le rôle des gouvernements dans le cadre de la coopération multipartite. Merci. Hier, je me suis exprimé depuis l'estrade, mais aujourd'hui, je vais m'exprimer depuis ce panel pour maintenir le caractère informel de cette session. Donc, vous êtes encouragés à participer, à encourager ou à même prendre la parole comme vous le souhaitez. Nous sommes très heureux que le gouvernement du Brésil emmène cette discussion importante de l'IGF et je suis très reconnaissant d'avoir été invité à faire partie de ce panel parce que nous allons pouvoir donc établir donc la vision du Royaume-Uni. Nous avons déjà parlé du rôle des gouvernements lors de la réunion de Genève en mai dernier et on s'est dit, eh bien, quel était le rôle des gouvernements? Donc, c'est une occasion pour nous, dans cette discussion de panel, de savoir ce que les gens pensent de cette question. Dans un sens, eh bien, on ne peut pas vraiment le définir parce que le rôle des gouvernements est tellement large. Les ministres qui sont chargés de la politique Internet au Royaume-Uni, par exemple, eh bien, je sais que presque à tous les niveaux, la politique Internet a un effet sur tous les ministères, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'intérieur, de la sécurité, des affaires étrangères, etc. Et on court toujours le risque de être un petit peu trop amorphe, pour ainsi dire. Mais je pense que le gouvernement joue un rôle important. Il y a quatre thèmes qui me viennent à l'idée et donc qui vont façonner nos discussions. Le premier thème est de soutenir le renforcement des infrastructures. Au Royaume-Uni, nous avons de la chance, nous avons un marché très compétitif et donc c'est le secteur privé qui se charge du renforcement des infrastructures, qu'il s'agisse de, du câble optique donc par Virgin et par BT. Et donc ceci veut dire que la plupart des consommateurs ont également accès à ces infrastructures parce que les prix sont relativement bas et les services sont avancés. Le gouvernement est intervenu pour soutenir ces réseaux, les réseaux où il y a des difficultés, notamment dans les zones rurales ou dans les zones qui ne sont pas intéressantes du point de vue économique. Donc les infrastructures sont assurées par le secteur privé, mais le gouvernement a un rôle à jouer dans le cadre réglementaire notamment, pour veiller à la compétition, à la concurrence et à des prix justes. Le gouvernement, deuxième point donc, doit s'assurer que le cadre juridique soit constant. Il y a beaucoup de clichés autour du débat sur Internet. Il faut s'assurer que ce qui est illégal hors ligne soit également illégal en ligne. Le gouvernement doit également mettre à jour les cadres pour les questions juridiques qui ont trait à Internet, par exemple les signatures électroniques. Nous intervenons également sur des questions particulières où l'Internet a peut-être exacerbé une question donnée, par exemple l'empiètement sur les droits de propriété intellectuelle. Nous essayons d'avertir les gens pour voir s'ils
empiètent sur les droits de propriété intellectuelle, également en ce qui concerne les problèmes concernant les enfants sur Internet, et donc donner aux parents un contrôle suffisant pour assurer la sécurité de la navigation des enfants sur Internet. Et nous avons également des partenariats avec la société civile et le secteur privé parce que nous pensons que c'est la façon la plus efficace de procéder. Donc, si nous gouvernons du haut en bas, eh bien, nous risquons d'être trop bureaucratiques et ceci aura un impact négatif sur les résultats. Autre point important, c'est que l'intervention du gouvernement n'est pas le contrôle du gouvernement. Le gouvernement représente les citoyens. Mais je le redis, donc ce n'est pas la même chose que de contrôler Internet. Autre point important, le Royaume-Uni défend les droits à la liberté d'expression. Et il est important que le gouvernement joue un rôle dans la défense de cette liberté d'expression pour défendre la diversité culturelle, l'égalité des sexes et également aider les citoyens à s'engager sur Internet en leur fournissant des occasions en ce qui concerne l'éducation, le renforcement des compétences. L'Internet est une force massive pour aller dans la bonne direction, mais il y a également des dangers qui existent. Au Royaume-Uni, nous pensons qu'il est très efficace de travailler avec la société civile, en particulier avec les enfants, les écoles, pour que les gens puissent poser des questions et pour qu'ils puissent aussi poser des questions, donc pour savoir comment utiliser Internet. Et donc ça, c'est un rôle également important pour le gouvernement. Et pour finir, le quatrième principe, c'est que le gouvernement peut aider à renforcer donc la coopération, le processus plutôt multipartite et les partenariats. Donc c'est ce qui nous a occupés pendant les deux dernières décennies. Nous apportons un soutien financier au groupe clé. Nous soutenons le processus de l'IGF. Et nous veillons à ce que notre présence soit assurée dans les événements tels que celui-ci. Donc, Président, pour résumer, le gouvernement a un rôle à jouer, mais j'espère que je montrerai que le gouvernement a un rôle en tant que partenaire et non pas en tant que quelqu'un qui dicte les choses. Donc, nous travaillons en partenariat avec le secteur privé pour les infrastructures et nous fournissons des financement lorsqu'il y a des besoins, lorsqu'il y a des écarts. Nous veillons également à la compétitivité, au prix juste. Nous sommes en partenariat avec le secteur privé et la société civile sur des thèmes clés comme l'empiètement des droits de propriété intellectuelle, la protection des enfants en ligne, la lutte contre les images offensantes pour les enfants. Et également, le cadre juridique s'applique au contexte hors ligne comme au contexte en ligne. Et nous défendons la liberté d'expression sur Internet et nous participons activement et nous soutenons le cadre multipartite qui, selon nous, est essentiel pour la réussite d'Internet. Alors, merci, Monsieur le Ministre. Avant de me tourner vers l'ambassadeur M. Fonseca Filho. Ceux qui n'ont pas participé au forum de mai, qui était organisé par l'UIT, il y a eu un projet d'avis, c'est l'équivalent d'une résolution plus ou moins, donc les résultats du WTPF. Et le Brésil a envoyé donc un projet concernant le rôle des gouvernements. Le premier projet a été critiqué. Il y a eu plusieurs propositions de changement, mais la délégation brésilienne donc re-rédigé ce projet en tenant compte des opinions qui s'étaient fait jour. Mais il n'y a pas eu suffisamment de temps pour atteindre un accord.
Et donc, comme l'a dit le secrétaire général de l'UIT, eh bien, il serait souhaitable que l'on reprenne ce thème, donc ici, dans cette réunion de l'IGF. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas reprendre cette discussion lors de l'IGF, et donc nous voici. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je vous remercie de cette présentation. Vous avez signalé très justement que ce projet d'avis qui était ressorti de ce forum, eh bien, était le résultat de consultations longues avec les différentes parties, les gouvernements, les représentants des autres parties prenantes. Et ce faisant, nous avons essayé de nous centrer sur les idées centrales que nous voulions transmettre dans ce projet. Nous avons voulu mettre en avant leur connaissance, le rôle des gouvernements, les responsabilités également des gouvernements dans ce modèle multipartite. Et pensons que ce rôle devait être mis, devait être opérationnel dans toute sa mesure. Donc nous n'essayons pas d'étendre le rôle du gouvernement des responsabilités au détriment des autres parties prenantes, mais plutôt ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de reconnaître le fait qu'il y a différentes responsabilités, essayer de concevoir des moyens via qui pourraient donc être améliorés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une faible participation des pays en développement, également des gouvernements, des autres parties prenantes des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés. Et donc, ceci était une tentative d'aborder cette question. Et donc, il s'agirait de s'intéresser à ce problème de participation. Autre point qui a été mentionné, le Brésil est en faveur de cette approche multipartite, eh bien, c'est la légitimité de la participation vis-à-vis des autres parties prenantes. Il faut essayer d'explorer des moyens pour améliorer la participation de la société civile et, je le souligne, la société civile qui vient des pays en développement. C'est leur souhait. Ils souhaitent participer à ces réunions. Ceci leur permettrait donc de bénéficier des processus que nous avons. La proposition brésilienne doit donc être perçue donc dans cette direction. Nous avons donc lancé cela au sein de l'UIT. Nous sommes ravis que nous ayons pu avoir ce projet. C'est une notion importante qu'il faut continuer à explorer. Donc il y a certaines dispositions clés de la délégation, de la proposition brésilienne. L'UIT et d'autres organisations internationales ont une légitimité dans ce processus et ils doivent soutenir une participation des gouvernements. Donc c'est également une reconnaissance de la légitimité de la participation de l'UIT et des autres organisations dans ce processus. Marcus l'a dit au départ, lors de notre réunion à Dubaï, nous avons eu des résultats intéressants et le Brésil essaie de jouer
un rôle d'approche, un rôle de facilitateur. Parce que nous avons des caractéristiques qui nous permettent donc de parler à des groupes différents. Et nous pouvons donc jouer un rôle de médiation. Et nous avons été étonnés par le fait que l'UIT donc devait jouer un rôle. Il y a eu des rejets immédiats qui se sont fait jour. Et le consensus du programme de Tunis devrait être réaffirmé. Donc une participation légitime de tous, les parties prenantes, les organisations, mais également les gouvernements. Parce que si l'on rejette les organisations, eh bien on rejette également les gouvernements dans une certaine mesure. Nous avons également reconnu que les organisations devraient donc assister les gouvernements dans, pour leur participation. Nous devons donc continuer à engager toutes les parties dans leur rôle respectif et à cette fin, toutes les parties prenantes devraient continuer à participer en toute bonne foi. Opinion. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé au secrétaire général, en passant par le secrétariat, d'aider la participation des pays en développement, en particulier les moins développés, pour pouvoir exercer leurs droits et remplir leurs responsabilités concernant les questions de politique internationale. C'est le paragraphe 35A de l'agenda de Tunis et toujours avec la promotion de la transparence, donc de la bonne gouvernance. Ça, c'est quelque chose que le Brésil appuie toujours. Il faut absolument que le processus soit ouvert et transparent. C'est quelque chose que nous avons déjà dit, donc l'UIT. C'est peut-être l'idée la plus importante. Mais c'est un document qui est en pleine évolution. Nous sommes arrivés au WTPF avec une version du document, mais le sujet continue d'évoluer. Par exemple, quand on parlait de l'idée de, du renforcement des capacités aidé par l'UIT, concernant les politiques publiques portant sur l'Internet, nous avons donc dit qu'il faudrait expliquer que il fallait comprendre le contexte dans lequel l'UIT pouvait intervenir. Ça, ça correspond au plan d'action de Genève. Je crois que c'est ce à quoi se devrait se limiter l'intervention de l'UIT. Enfin, on en a parlé dans d'autres forums où certains aspects spécifiques de la gouvernance de l'Internet étaient mentionné, examiné. Je voudrais rebondir sur l'intervention du Royaume-Uni et remercier le Royaume-Uni pour la proposition d'aide. Vous avez un point de vue différent. Vous examinez la nécessité de disposer des capacités d'opérationnaliser l'ensemble et le Royaume-Uni la position du Royaume-Uni correspond tout à fait à ce que je pense. Une fois que les gouvernements ont vraiment pris les choses en main, à ce moment-là, il y a des points sur lesquels le gouvernement doit intervenir avec un cadre juridique, avec une réglementation, la promotion de la liberté d'expression, avec le maintien du modèle multipartite. Il y a différentes approches, bien sûr.
dans le contexte de notre proposition. Je devrais peut-être en rester là pour le moment et vous remercier juste une toute petite chose encore. Une des questions de politique qui a été soulevée lorsqu'on préparait cette réunion portait sur la manière dont la participation du gouvernement peut être vue dans le contexte de ce que l'on appelle les organes auto-réglementés. C'est un point très important. Comment mettre en œuvre la participation du gouvernement en gardant l'esprit que dans certains domaines tels qui sont couverts par les agences et les institutions autoréglementées, la participation des gouvernements n'est pas nécessaire. Mais l'opinion des gouvernements devrait l'être. Il y a beaucoup de choses à faire dans le contexte de la réglementation par les gouvernements de l'Internet, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font au niveau de l'autoréglementation. Et les gouvernements ne le savent peut-être pas suffisamment. Alors comment intégrer les fonctions de ces différentes parties prenantes sans bloquer le développement économique ou le flux d'informations? Donc là, il faut réfléchir aux différents contacts qui doivent être établis et aux différentes manières donc, dont le gouvernement peut être une des parties dans ce contexte, en gardant bien à l'esprit le fait que dans certains cas, ces organes autoréglementés font un travail extrêmement important qui doit être reconnu par les gouvernements. Et reconnu par les gouvernements, donc pris en compte au niveau des réglementations et essayer de ne pas intervenir là où ce n'est pas nécessaire pour les gouvernements. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je crois que le rôle du Brésil au WTPF a vraiment déjà aidé à établir des liens. Et il faut dire que le WTPF maintenant est beaucoup plus ouvert, à l'esprit beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques mois auparavant. Et ça, c'est grâce au Brésil. Alors, vous avez les différents points qui sont à l'écran, là, que nous allons aborder. Vous les avez également sur le site web. Avant de donner la parole à M. l'ambassadeur Sepúlveda, je reviens sur ce que j'ai dit au début. N'oubliez pas que si vous ne gazouillez pas, vous n'existez pas. Et donc, n'hésitez pas. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci de me permettre de participer. Je suis très heureux d'avoir entendu les commentaires qui m'ont précédé et je vois que nous avons la communauté technique et la société civile qui sont représentées. Et j'espère que j'aurai l'occasion de parler avec le plus grand nombre possible de collègues qui sont dans la salle face à face. Donc, j'étais au WTPF et je connaissais bien la proposition du Brésil. Je sais de quoi on a parlé à l'époque et je sais de quoi on a parlé depuis. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Les gouvernements s'intéressent de très près à cette nécessité du dialogue. Le réseau, les connexions entre réseaux, l'Internet dans son ensemble, au départ, était une expérience privée il y a plus de 30 ans. Maintenant, c'est vraiment partie prenante de l'économie mondiale. Ça fait partie du développement économique et bien entendu, tous les gouvernements vont vouloir permettre à leurs citoyens d'utiliser l'Internet.
Et c'était le système multipartite qui s'occupait de cela historiquement, depuis le début. Il y a un processus d'évolution permanente. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas parler de la proposition spécifique du Brésil ou des conversations qui se sont produites sans contexte. Le contexte, c'est qu'on a vu l'Internet passer des mains de quelques techniciens pointus à des universitaires, à des gouvernements, et maintenant on a vraiment une institution multipartite. On a toujours cherché à augmenter la transparence des systèmes, s'assurer qu'on desservait les besoins de tout le monde, des utilisateurs comme des gouvernements, et qu'il y avait une adaptation permanente compte tenu de l'évolution du monde. Au long des années, on a souvent dit qu'il fallait avoir un organe unique qui s'occupe de l'Internet et qui soit un organe intergouvernemental. Les États-Unis respectent ces idées. Nous sommes membres du groupe de l'UIT qui s'occupe de cette question et nous sommes très heureux des différents efforts qui ont été fournis. Je crois qu'en fait, ça reflète les aspirations de tous et donc que toutes les parties prenantes sont traitées avec le même poids, la même importance. Mais sans vouloir parler de la proposition brésilienne en particulier, nous avons bien souvent vu des propositions qui ne permettaient pas vraiment d'améliorer l'accès à l'Internet et pourraient même aller à l'encontre de cet objectif. Et donc nous pensons que le système multipartite est le meilleur existant jusqu'à présent, si on compare avec ce qui a existé auparavant, dans le contexte de la technologie existante. Ça ne veut pas dire que c'est un système parfait, c'est un système qu'il faut améliorer. Justement, toutes les parties prenantes depuis le début sont parties du principe qu'il fallait toujours améliorer, continuer d'essayer d'améliorer le système. Dans le GAC, où le Brésil et beaucoup d'autres membres du monde sont très présents. Et on a prouvé à la communauté des parties prenantes que l'idée était pour nous de leur permettre à tous de participer. Toute suggestion d'amélioration supplémentaire ne devrait pas se concentrer sur une institution ou se concentrer sur le rôle des gouvernements. Et si on ne fait pas très attention, si on se concentre sur une seule institution, si on se concentre sur une seule partie prenante, on risque de désavantager d'autres parties prenantes. Et je suis très heureux d'avoir entendu Monsieur l'ambassadeur dire que c'est une conversation qui doit se dérouler dans beaucoup de forums et pas simplement à l'UIT et qui permet à toutes les parties prenantes de prendre la parole et que la société civile, qui est très efficace et très, très active, ait la possibilité d'intervenir. Autant que les gouvernements des pays en développement, par exemple. Et donc, nous allons continuer cette discussion sans se concentrer simplement sur l'importance des gouvernements, du rôle des gouvernements. Et d'autres vont également intervenir. D'autres ont déjà dit hier, dans la société civile, dans les milieux universitaires, etc., qu'ils avaient également points et des préoccupations qu'il fallait prendre en compte. Les États-Unis reconnaissent la nécessité de permettre à tous les gouvernements, même des pays en développement ou les moins développés, de participer, ainsi qu'aux différentes institutions, et en particulier les institutions multipartites. Nous sommes très heureux de l'engagement du Brésil dans ce contexte. Le CGI, le système de CGI, est très utile pour gérer les questions de l'Internet au niveau national. Nous sommes prêts à travailler avec d'autres pour continuer à mieux établir ce système multipartite. Je dois dire aussi que nous admirons la manière dont le Brésil a mis en place sa législation, la législation Marco Séville. J'étais au Brésil et
J'ai vu comment on construisait la proposition du gouvernement. Il reste certains problèmes concernant les exigences portant sur la localisation, mais l'ensemble du texte, et en tout cas l'intention de la législation Marcos Sevi, et le fait que le Brésil ait vraiment essayé de permettre à toutes les parties prenantes, société civile incluse, de participer, est vraiment admirable. Nous avons suivi de très près quelque chose de plus récent concernant le forum sur le sommet Internet en 2014, en avril. Et je voudrais en profiter pour dire à l'ambassadeur du Brésil qui est ici que nous partageons avec le Brésil l'idée qu'il faut renforcer, qu'il faut protéger la liberté d'expression tout en insistant sur la sécurité et le renforcement de la protection des intérêts de tous. Le Brésil a pris une position de pointe et nous attendons avec impatience de voir ce que le sommet va chercher à faire de manière à ce que nous puissions contribuer de la manière la plus intéressante possible. N'oubliez pas que le gouvernement des États-Unis pense que c'est la communauté mondiale qui va profiter le plus d'un Internet qui fonctionne dans un environnement où toutes les parties prenantes, que ce soit commerciales, société civile, gouvernement, etc., puissent fonctionner ensemble, faire ce qu'ils ont à faire chacun sans se marcher sur les pieds. Et donc, encore une fois, nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de participer à ce travail de collaboration et nous espérons que tout le monde, bientôt, en particulier le pays en développement, pourra être partie prenante à part entière de manière à améliorer les réponses que l'on doit donner à la communauté mondiale concernant l'utilisation de l'Internet. C'est très utile également de pouvoir s'exprimer ici et de pouvoir entendre les points de vue de tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. C'est le fait que nous savons tous que l'Internet est vraiment quelque chose de très positif, de très bon. Et il faut s'occuper de l'avenir de l'Internet. Et vraiment, j'attends avec impatience la possibilité de collaborer avec tous ici. Et je suis sûr que nous allons entrer dans les détails un peu plus tard, examiner le texte proposé un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à dire en ligne plus générale. Merci. Je propose que l'on passe à l'intervenant suivant. Merci, Marcus. Excellence, Monsieur le ministre, chers invités. Donc, il y a déjà des points très importants qui ont été mentionnés ce matin, qui vont dans le même sens que ce que je voulais dire. Le concept de multipartisme, vu du point de vue du secteur privé, inclut le milieu des affaires. Et c'est une partie prenante clé dans un travail de gouvernance tout à fait transparent pour l'Internet. Ça, c'est dans ce sens que le programme de Tunis allait et il est impossible de l'interpréter autrement. Sans même parler du fait que nos réunions à l'IGF sont toujours allées dans le même sens. Alors, un partenariat étroit et bien informé entre le gouvernement et les différents groupes, c'est une nécessité. Mais c'est même la condition sine qua non pour avoir un Internet qui fonctionne au mieux possible. C'est d'ailleurs ce que le ministre du Royaume-Uni a dit. Les gouvernements ont des priorités qui parfois sont en conflit avec l'intérêt du public. Mais dans le monde de l'Internet, qui est légèrement différent du monde des télécommunications traditionnelles, là, le gouvernement n'est plus vraiment le plus important. Et le gouvernement, de toute façon, n'a pas
les connaissances techniques et n'a pas les capacités économiques nécessaires pour être le chef et établir les règles. Et comme le dit le programme de Tunis, il s'agit de garder le multilatéralisme, il s'agit de prendre en compte les points de vue de tous, le secteur privé, la société civile et surtout les jeunes. Bien souvent, les politiques semblent sans grand danger, alors qu'en fait, un petit peu plus tard, on se rend compte de conséquences horribles ou terribles pour l'Internet et la communauté de l'Internet. Parce que parfois, il n'y a pas une bonne compréhension de l'environnement ou une compréhension complète. Et donc, non seulement des consultations, mais vraiment une discussion ouverte est cruciale. Le gouvernement a des responsabilités et doit faire donc très attention à chaque mouvement de sa part, à chaque décision, et à chaque fois consulter toutes les parties prenantes, communauté technique, société civile, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle ces institutions multipartites existent. Et c'est en fait là la fin des groupes multipartites qui sont intergouvernementaux. Le processus de consultation essentiel, le processus d'inclusion de toutes les interventions ne peut se faire obligatoirement, ne peut pas toujours se faire complètement et dans des temps suffisamment courts ou tels que ce que l'on pourrait attendre. C'est très vrai dans le cas de l'Internet. Bien entendu, il y a des questions juridiques que le gouvernement doit traiter, des questions d'orientation politique. Mais il y a également la gestion de l'infrastructure, des réseaux, du spectre et d'autres ressources. Et les innovations interviennent parfois sans autorisation, sans recherche d'autorisation des gouvernements. Le SMSI a toujours n'a jamais été dans une situation de lutte entre le gouvernement et le multipartisme. C'est une question de... Il y a une participation qui est liée à son mandat et à son expertise. Les gouvernements et les autres groupes doivent travailler ensemble dans des mandats complémentaires. On comprend bien que le gouvernement a un rôle clé à jouer au niveau de la mise en œuvre des politiques. C'est ce que le ministre du Royaume-Uni a dit. Mais le cadre pour l'Internet, dont le cadre juridique, insiste sur le fait que tous les membres de la communauté de l'Internet doivent participer à l'élaboration de politiques les meilleures possibles et les plus complètes possibles. La gouvernance de l'Internet est beaucoup plus étendue que simplement le système des noms de domaine. C'est une question de valeur, de culture, de politique, de fonctionnement technique. Et dans l'environnement Internet, le gouvernement, le secteur privé et la société civile doivent intervenir en fonction de leur expertise et de leur mandat. Et pour conclure, je dirais que la gouvernance multipartite est un système où tous les participants, dont le gouvernement, doivent travailler ensemble sur un pied d'égalité pour travailler à l'amélioration de l'environnement de l'Internet. De plus, je dirais que le gouvernement a une responsabilité supplémentaire, en particulier dans les cas où il y a une nécessité de consultation ou qui n'existe pas encore. C'est dans ces situations que le gouvernement doit non seulement adopter le multipartisme, mais doit également essayer de faciliter
la participation de toutes les parties prenantes, de manière à ce que la prise de décision soit la plus inclusive possible et soit la plus transparente possible. Merci, Président. Merci, c'était Virat Patia, ce n'est pas Yari Ark, tel que vous avez pu le lire à l'écran, ou tel que vous l'aviez dans la présentation. Alors, n'oubliez pas de corriger les notes pour que le rapport soit correct. Maintenant, Yari, vous avez la parole. Oui, si le rapport montre que c'était moi qui avais pris la parole auparavant, ça ne me dérange pas du tout. C'était un très bon discours. Enfin, bonjour, merci de me donner l'occasion de prendre la parole ici. Et on a déjà dit beaucoup de choses très sages ici. Je me demande ce que je vais pouvoir ajouter à ce qui a déjà été dit. Mais enfin, en tant que représentant de la communauté technique, je prends bien entendu le point de vue de la coopération des techniciens au gouvernement. Je vais dire trois choses. Historiquement, l'Internet n'avait pas vraiment besoin de réglementation. Mais maintenant, en 2013, nous avons vraiment besoin de parler avec les gouvernements. Les ingénieurs également de l'IGF se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas travailler isolément. Et donc, les questions de technologie doivent être réglées dans le contexte de la communauté dans son ensemble, de la société dans son ensemble. Les normes, ça c'est critique. Lorsque je vais en Finlande avec mon smartphone, je ne peux pas, par exemple, m'en servir pour faire les appels d'urgence. Et ça, c'est très grave. Un autre exemple au niveau de la technologie, pour les distributions des fréquences radio, c'est bien entendu le gouvernement qui doit décider. Ce n'est pas la communauté technique qui peut s'en charger. Donc, les gouvernements, les organes intergouvernementaux doivent intervenir à ce niveau-là. Mais la communauté technique peut permettre d'établir une bonne négociation dynamique. Il faut bien comprendre ce qui est nécessaire et il faut que les différentes parties prenantes se sentent à l'aise dans le débat. Deuxièmement, on parle tous de la manière dont l'Internet a permis beaucoup d'innovations. Et lorsque l'on parle de la gouvernance, on ne peut pas oublier, et la participation de l'utilisateur et des gouvernements, il faut se penser à l'avenir de l'Internet, pas seulement à aujourd'hui. La rapidité des innovations va croissant, et avec le 2.0, avec beaucoup d'autres systèmes, avec les communications voice-over. Maintenant, les réseaux de base vont passer de l'IPv4 à l'IPv6. Et c'est de ça que je veux parler là. Ça va avoir un impact terrible sur l'Internet, sur la gouvernance de l'Internet. Et par conséquent, il faut que tous les protagonistes soient concernés, dont, bien entendu, les gouvernements. Maintenant, tous les serveurs web vont être capables de fournir la possibilité de communiquer vocalement. Et donc, il faut que les gouvernements et l'ensemble de la communauté Internet s'intéressent à ces points. Alors évidemment, ça pose des questions pratiques. Le gouvernement s'occupe de la réglementation, on n'a pas vraiment une vue d'ensemble de la situation. Personne ne l'a d'ailleurs. La situation actuellement est très différente du passé. Les télécommunications en particulier ont tellement évolué. Les technologies Internet
ont tellement évolué et qu'il faut se tenir au courant. Il faut savoir comment toutes les parties prenantes envisagent les choses. Par exemple, l'IETF, on a adopté un modèle où tout le monde peut contribuer et nos normes sont adoptées sur une base volontaire. Et donc, ce n'est pas vraiment très intéressant de voir quelle organisation devrait se charger de quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de débats entre les différents protagonistes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Yari. C'est la première fois qu'un président de l'ITF est là. Et je dirais que l'IGF, c'est le côté des politiques, mais ça ressemble beaucoup à l'ITF. On ne prend pas les décisions, mais on débat énormément. Alors, le point de vue de la société civile maintenant. I'm actually quite pleased. Je suis ravi d'être ici parmi vous, avec tous ces messieurs ici à Bali. Je dois souligner un point. On m'a présenté comme étant un représentant de la société civile. Et pour ne pas avoir de problème, je dois effectivement dire que mes commentaires n'ont pas été révisés par qui que ce soit dans la société civile. Et donc, j'ai eu le privilège d'être une participante de la société civile dans les forums comme l'ICANN, également dans l'IETF et dans l'IGF. Et donc, lorsque j'examine le rôle des gouvernements, eh bien, je dois dire que j'ai fini par accepter que les gouvernements avaient un rôle, et ce, assez tard dans ma vie. Ma première réaction, c'était, eh bien, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un rôle ? Eh bien, au fil du temps, au fil des IGF, et après avoir écouté plusieurs ambassadeurs, ministres, présidents, eh bien, j'ai accepté l'idée que le gouvernement avait un rôle. Mais lorsque je me suis intéressé à ce rôle, eh bien, je me suis dit, d'où venait ce rôle ? Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit lorsque l'on parle du rôle des gouvernements, c'est effectivement les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments qui ont rendu les gouvernements responsables de la protection de nos droits. La protection de nos droits dans le monde qui n'appartient pas à Internet et dans les droits sur Internet également. Donc, les gouvernements ont bien un rôle. Et je pense que c'est ça l'origine du rôle des gouvernements. Mais en ce qui concerne la compréhension de ce rôle et comment il peut être joué, comment il peut être développé, eh bien cela dépend degré de défense de ces droits, le degré de soutien, de protection de ce processus multipartite et de nos droits de participer, de nous associer, de nous exprimer, d'apprendre, de partager nos connaissances. Donc tant qu'ils nous protègent, tant qu'ils approfondissent les entreprises, eh bien, les gouvernements ont un rôle à jouer. Mais ce rôle doit être évalué à la lumière degré donc, d'implication, de protection joué par ces gouvernements. Les gouvernements sont intervenus sur Internet assez tardivement. Et nous faisons une analogie avec le rôle qu'ils ont joué dans les télécommunications. Ils ont essayé d'imposer leur rôle qu'ils ont joué dans les télécommunications donc sur Internet. Donc, je suis ravi de voir qu'il n'y a pas encore eu de position qui allait dans ce sens dans ce panel, mais je crois que c'est la position de nombreux gouvernements encore et je crois qu'il faut que nous fassions attention à ce point. Autre point pour le rôle des gouvernements et dans les processus multipartites, c'est la capacité des gouvernements ou la croissance des capacités.
Les gouvernements sont relativement nouveaux dans ces notions de coopération avec les autres secteurs de la société. Ils nous écoutent, mais ils ne travaillent pas nécessairement avec nous. Ils ne coopèrent pas nécessairement avec nous. Donc, au fil du temps, depuis le groupe de travail sur la gouvernance d'Indes, jusqu'au SMSI, jusqu'au IGF, eh bien, j'ai vu que les gouvernements étaient capables de coopérer entre eux, mais également avec le reste des parties prenantes. Et ce rôle, ces coopérations, va croissant. Et ceci constitue un aspect important du rôle des gouvernements. Leur rôle, c'est d'augmenter les capacités pour participer à une démocratie participative avec nous. La démocratie va bien au-delà de ces élections de représentants. Et c'est quelque chose qui peut fonctionner avec les autres. Et donc, je suis ravi que nous parlions du fait que les gouvernements favorisent la liberté d'expression ou, du moins, envisagent de le faire. Et c'est relativement nouveau. Et j'espère que les gouvernements s'impliqueront plus et que ce rôle va aller croissant, qu'ils vont défendre la liberté d'expression sur Internet, la liberté d'association sur Internet, la liberté de rassemblement sur Internet. Nous devons aller au-delà, nous devons envisager tous les droits de l'homme dont les gouvernements ont la charge. Et donc il faut que cela soit également valable sur Internet. Et je suis ravi de voir que on est en train de se rendre compte de cela. C'est un processus en évolution. Les gouvernements ont un rôle dans un processus multipartite. L'UIT a un rôle à jouer dans le processus multipartite. Ce sont des rôles importants. Mais j'ai une préoccupation. Il faut qu'ils s'impliquent plus, que leur rôle soit plus important, mais il faut que ce rôle ne se fasse pas au détriment des autres parties prenantes et qui exclut les autres. Donc, au fur et à mesure du renforcement du rôle des gouvernements sur Internet, eh bien, il faut veiller à ce que ce rôle ne diminue pas le rôle des autres sur Internet. Comment donc les gouvernements peuvent continuer à s'impliquer sans perturber l'environnement et l'implication des autres parties prenantes? Nous approchons de 2014 et nous avons différents sommets proposés. Et je suis j'ai un peu d'appréhension. Parce que je ne sais pas si je vais être autorisé à participer à ces sommets. Et autre point, c'est est-ce que l'on pourra participer dans le processus de prise de décision? Selon moi, eh bien, les gouvernements pourraient peut-être prendre un peu trop d'espace dans cet domaine. Merci, Avery. C'était un premier tour de table très intéressant. Et si un panéliste souhaitait avoir une réaction spontanée par rapport à ce qu'ont dit les autres panélistes, si ce n'est pas le cas, oui, allez-y. Oui, Monsieur Fonseca, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous avez été trop rapide, mais j'ai un commentaire très bref à formuler. Donc pour souligner que nous ne voyons pas une contradiction entre l'opérationnalisation du rôle des gouvernements et la perturbation du modèle multipartite. Nous ne voyons pas de contradiction là, au contraire. Nous pensons que via le renforcement des capacités, via les informations et l'identification
des possibilités de coopération, eh bien certaines difficultés qui ont été soulignées par les participants peuvent être relevées, à savoir l'identification des cas où les gouvernements sont suffisamment à l'aise pour savoir où se trouve leur processus et de savoir s'il y a un besoin de participation. Plutôt que d'étendre le rôle eh bien, ceci peut donner plus d'assurance, savoir que leurs préoccupations sont relevées. Et il faut voir quels sont les moyens, d'un point de vue national, comment les contributions peuvent être apportées. Les gouvernements estiment que dans certains aspects de la gouvernance, il n'y a pas suffisamment de contributions de la part de certains pays. Et peut-être qu'il ne serait pas approprié pour les gouvernements de fournir les contributions, mais que ce soit le rôle des autres parties prenantes. Et donc, nous pouvons discuter de ces points. Nous pensons que cet exercice ne débouche pas sur les dangers qui ont été soulignés. Je pense que le danger est bien réel et nous devons nous en soucier. Mais nous ne souhaitons pas déboucher sur un résultat qui n'est pas intentionnel. Au Brésil, nous sommes en faveur donc du processus multipartite. Autre point que je souhaitais mentionner, vous avez mentionné, Monsieur le Président, que c'est la première réunion de l'IGF qui bénéficie de la participation du président de l'IETF et c'est la première réunion de l'IGF qui bénéficie de la participation des ministres brésiliens, ministre de la Communication, qui est en charge des autorités de réglementation. Il est donc ici et il va prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture et ceci souligne l'importance accordée par mon gouvernement au processus multipartite. Et donc ceci montre que nous souhaitons faire partie de quelque chose beaucoup plus large. L'un des principaux messages transmis par mon ministère, je ne veux pas anticiper trop sur ce qu'il va dire, mais il l'a déjà dit hier lors de la réunion de haut niveau, c'est que en préparation à la réunion que nous aurons au Brésil, eh bien, la présidente Dilma Rousseff a proposé d'avoir une approche multipartite dans les préparatifs et dans la concrétisation. Donc, l'un des objectifs de la venue de ce ministre, c'est d'exprimer très clairement le fait que le Brésil ne considère pas qu'il s'agit d'une initiative individuelle. Ce n'est pas simplement un pays, mais on a dit que le Brésil chapeautait tout cela. Nous ne voulons pas être perçus comme des leaders, mais plutôt comme un facilitateur. Il y a des aspects importants à discuter, mais il faut que ceci se fasse avec la pleine participation de toutes les parties prenantes. Ceci a été exprimé très clairement par la présidente Dilma Rousseff. Et la présidente Dilma, donc hier sur Twitter, a tout à fait exprimé cela. Il faut donc avoir une approche multipartite. Elle a souligné ce point. Et elle a donc envoyé son ministre des Communications ici pour reprendre ce message. Autre point que je souhaitais mentionner, je vais être très clair là-dessus, c'est que le cadre Internet Marco Sevi, donc, dont nous discutons, eh bien, nous avons au Brésil eu des consultations. Il y a des différences d'exigence de localisation, mais on doit dire qu'on a inclus tout cela, résultante donc des évolutions qui ont eu lieu au cours des 6 derniers mois, donc des divulgations d'informations, et c'est quelque chose donc qui fait partie de la réaction. Ceci a donc fait l'objet de discussions au sein du Congrès.
Les partis ont pu intervenir. Il y a eu des opinions divergentes. Certaines personnes ont dit que ce n'était pas une bonne idée. D'autres défendaient le point de vue contraire. Il y a eu un débat intéressant et ceci fait partie de la démocratie. Ce sont des mécanismes de légitimation, ou plutôt des mécanismes légitimes que nous avons. Le Congrès va donc débattre et prendre une décision à cet égard. Je souhaitais donc souligner cela. Et donc pour finir, alors je suis désolé de prendre autant de temps, mais simplement pour souligner que nous sommes tout à fait à l'aise avec cette discussion. Le Brésil épouse cette approche multipartite et nous participons aux discussions. Le gouvernement a essayé de jouer un rôle de facilitateur, de catalyste. Et nous voyons qu'il y a un nouveau paradigme de coopération sur Internet. Il y a des pays qui souhaitent en faire partie et nous n'aspirons pas à un rôle de leadership. Mais nous préférons coopérer, travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes pour nous intéresser aux différentes préoccupations. Bien, nous serions heureux de pouvoir le faire. Merci, ambassadeur. Donc, nous voyons qu'il y a un consensus large au sein du panel sur le rôle des gouvernements. Les gouvernements sont un partenaire. Et il n'y a pas de dichotomie entre le gouvernement et la coopération multipartite. Et plusieurs orateurs ont identifié le besoin de renforcement des capacités pour construire cette culture d'engagement et pour construire la coopération, les consultations. Et c'est un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de ce processus, mais nous sommes en train de construire cette culture de coopération. Je me souviens également qu'au début du SMSI, eh bien, il y avait des difficultés. Les diplomates ont dû apprendre à parler de façon plus technique. Et je pense que nous sommes maintenant dans une zone de confort maintenant et nous pouvons donc nous engager dans des dialogues. Je suis impatient de voir que nous aurons donc avec un dialogue au sein de la salle avec Jeannette, notamment. Alors, les modérateurs, y a-t-il des contributions? Je vois des hochements de tête. Alors, Jeannette et Matthew, vous avez la parole. Nous avons lancé le débat et je souhaitais dire que nous avions un commentaire pour Monsieur Fonseca. C'est la notion de d'un livre vivant. Nous pourrions donc examiner ce débat comme étant un livre en évolution au cours des 10 dernières années notamment. De ce point de vue, nous avons peut-être atteint le troisième volume. Et donc, lorsque nous voyons les discussions, et Marcus vient de mentionner qu'au cours du SMSI, nous avions vu une atmosphère où il y avait différents points de vue qui se sont exprimés, et un langage également qui faisait état de différentes positions. Et maintenant, nous avons essayé de nous rapprocher les uns des autres. Et nous avons peut-être atteint un stade où nous pouvons nous intéresser à des questions plus opérationnelles. Plusieurs orateurs ont suggéré que nous pourrions examiner les questions pratiques du multipartisme. Que font les différentes parties prenantes et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réellement faire des progrès. Donc, Marcus l'a suggéré l'idée que l'IGF pourrait devenir un équivalent politique à l'IETF. Est-ce que ceci est concevable et qu'est-ce que cela nécessiterait? Comme vous le savez, nous avons une liste de questions, mais vous pouvez également simplement essayer de prendre un micro. Donc, vous pouvez écrire vos questions par sur papier ou vous pouvez prendre un micro. En ce qui concerne les participants à distance, y a-t-il des demandes d'intervention aussi? Alors, vous pouvez peut-être commencer ici, à l'avant.
Thank you, Janet. Thank you for. Merci, Janet. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Soledad. Je suis professeur en Inde et j'enseigne donc tout ce qui concerne Internet aux enfants, les polygames. Merci à Bali. Et c'est la mat. Merci pour cette culture d'innovation et d'acceptation. Nous essayons de construire des ponts et donc je vais essayer d'être brève. Donc je souhaite poursuivre la conversation d'hier concernant la gouvernance Internet. Il s'agit d'un thème d'innovation. Hier, j'ai mentionné brièvement si j'avais besoin d'un taxi hier, aujourd'hui ou demain, si j'en avais besoin, eh bien j'ai dit non. On m'a donné une carte hier et on m'a dit, est-ce que vous voulez changer de destination ou est-ce que vous souhaitez prendre un taxi à une date ultérieure? Eh bien, je pense qu'il faut vraiment définir de nouveaux points de référence. Ma question vise l'ambassadeur Fonseca. Lorsque l'on parle de la société civile, il y a beaucoup de défis, en particulier pour la société civile, le monde universitaire dans les pays en développement, pour se rendre dans un endroit qui nécessite un long voyage. Nous voulons savoir si nous allons faire partie des conversations, des discussions et comment. Donc nous avons un processus inclusif, transparent, du bas vers le haut, et ceci nous donne l'occasion de nous engager les uns avec les autres en termes de discussions que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et nous souhaitons savoir si nous allons participer à ces discussions et ce que vous allez faire pour faciliter ces discussions. Merci. Next. Jeanette. I've got somebody. Jeanette, autre chose? My name is Sonny. Bonjour, je suis Sonny Guitou, je représente le gouvernement. Une question, comment l'Internet des objets peut être utilisé pour promouvoir la gouvernance mondiale et l'intégration régionale des nations, puisque les accords bilatéraux et multilatéraux ne sont pas garantis, étant donné les défis en ce qui concerne les politiques frontalières et l'échec des cadres juridiques à promouvoir l'égalité entre les nations et notamment les droits de l'homme. Ensuite, merci. Novak Polo, je parle au nom de la Suisse, le groupe ouvert, donc système ouvert, groupe d'usagers des systèmes ouverts suisse, une organisation open source en Suisse. Je souhaitais dire que l'IGF est l'équivalent politique de l'IETF. Alors peut-être que l'IGF pourrait faire partie de quelque chose comme cela, mais il faudrait ajouter une couche pour que cette couche donc, puisse produire des documents politiques. L'IGF ne crée pas du tout de politique. Et donc nous avons besoin de cette couche de production de politique. Ce qui concerne le rôle des gouvernements, il faudrait donc lier tout cela avec les gouvernements pour ce processus de contribution puisse devenir un processus pour les gouvernements ou pour la prise de décision au niveau national. Quel est l'intérêt d'avoir des contributions si elles ne sont pas utilisées? Pour parler un peu plus généralement, en perspective de notre groupe, nous sommes très intéressés dans ce concept d'open source. Nous nous sommes engagés auprès de l'IGF depuis plusieurs années. Il y a toujours des ateliers très intéressants sur ce sujet, mais j'ai une grande frustration. Que doit-il se passer sur le terrain avec les gouvernements pour que
l'on puisse appliquer cette notion d'open source, donc les appliquer à leurs problèmes. On voit que rien ne bouge. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur Internet concernant les grandes sociétés internationales, et ces sociétés internationales ont les capacités, les compétences pour accomplir ce qui est dans leur intérêt. Mais je pense que les gouvernements doivent avoir un rôle plus fort pour que les choses évoluent. Par exemple, je citerai donc l'exemple d'un logiciel open source gratuit qui peut avoir un rôle important, qui peut avoir un rôle d'autonomisation essentiel et qui pourrait empêcher les surveillances des services d'espionnage étrangers. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se produire tout seul. Ceci doit être souligné. Et mon organisation est ravie de faire partie de ce processus. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Parminder. Je fais partie d'une ONG, donc IT for Change. Je remercie le panel d'avoir présenté l'une des sessions les plus intéressantes et les plus utiles où je me suis rendu. Je suis sûr que les transcripts également seront analysés et vus pendant quelques temps. Je remercie également le ministre du Royaume-Uni et de leur vision du rôle des gouvernements. Je suis tout à fait d'accord avec lui et l'ambassadeur a mentionné également quelques points qui mettent les choses et la gouvernance en contexte au niveau mondial. Également, Viral Bhatia a mentionné quelque chose qui était très intéressant. Il y a plusieurs points qui dégagent donc des accords. En ce qui concerne les rôles respectifs du programme de Tunis, il faut également veiller à ce que tous ces rôles se fassent sur un pied d'égalité. Il faut institutionnaliser cet engagement. Nous devons participer à la prise de décision, donc toutes les parties prenantes. Et donc là, c'est très important. Quel est le rôle des gouvernements? Donc les rôles démocratiques du gouvernement et tous les piliers du gouvernement. Le rôle des gouvernements, pour moi, eh bien, est double. Il s'agit de déterminer quel est l'intérêt public. Et deuxième point, la formulation de politiques publiques. Et ceci peut se faire uniquement dans un cadre de responsabilité. Et donc pour faire ces deux choses, et donc il faut qu'ils participent, il faut qu'ils institutionnalisent les modèles de participation. C'est un principe démocratique de base. Et j'entends souvent que les gouvernements veulent participer. Et la préoccupation de plusieurs groupes qui sont convaincus de ces principes démocratiques, eh bien, ils sont préoccupés parce qu'ils souhaitent participer, donc à la prise de décision. Est-ce que vous pourriez raccourcir un petit peu? Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Oui, pardon, Jeannette. Donc, c'est une question de politique publique. Alors, quelqu'un souhaite-t-il déjà répondre aux questions qui viennent d'être mentionnées? Bon. Bonjour. Je m'appelle Céla et je m'exprime en mon propre nom. Tout d'abord une question et ensuite... Alors, Céla Nietta, c'est pas grave. En ce qui concerne les forums de gouvernance Internet, et c'est une question pour les panélistes, selon vous,
en 2013. Le secteur public, le secteur privé et la société civile sont-ils des acteurs égaux lorsque l'on parle des forums? Donc ça, c'est ma question. Et un petit commentaire très bref. Pour qu'il y ait une coopération multipartite, et en ce qui concerne le renforcement de la confiance et la collaboration, on ne peut pas avoir de suspicion. S'il y a de la suspicion, eh bien, la confiance n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai posé ma question. We have a remote participant. Camus, maybe. Alors, est-ce qu'il y a des interventions de l'extérieur? Alors, auparavant, on a demandé aux gens de parler bien dans le micro de manière à ce que tout le monde puisse entendre et donc parler suffisamment fort. Alors là, on a une question de Tunisie. Et elle demande comment peut-on s'assurer que le gouvernement s'intéresse sincèrement à la promotion du multipartisme et comment pouvons-nous éliminer le manque de confiance qui existe, en particulier dans les pays en développement. Bonjour, je viens d'Inde et j'ai une question pour le ministre du Royaume-Uni, l'ambassadeur des États-Unis. Si vous croyez vraiment à ce que vous avez dit, on voit que beaucoup de révélations actuellement montrent bien que ce n'est pas la manière dont le gouvernement agit. Merci. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, j'aimerais bien répondre, oui. Alors, la question est donc... Comment est-ce que vous agissez en fonction de ce que vous avez dit, en fonction de ce que vous dites? Eh bien, il y a beaucoup de systèmes qui permettent d'incorporer cette idée de multipartisme dans les politiques gouvernementales. Au départ, moi, je me suis intéressé à l'immigration. J'étais un militant. Et c'est comme le président qui, lui aussi, à Chicago, M. Obama, était un militant. Le ministre de l'Intérieur a été un militant contre la guerre du Vietnam. Et en particulier, il a, devant le Sénat, donné un témoignage après la guerre qui a aidé à mobiliser l'opposition à la guerre. Je pourrais vous donner toute une liste des mécanismes qui permettent d'incorporer le secteur universitaire, technique, l'industrie. Nous avons un processus de politique publique. Nous avons un comité d'experts. Nous avons un processus au Congrès et nous avons des médias libres. Alors, au niveau de la surveillance, au niveau de la méfiance qui s'est installée, par rapport à notre position, le président en a parlé plusieurs fois déjà. Je suis sûr que vous le savez, mais quand même, je voudrais quand même vous rappeler que il y a beaucoup d'examens qui sont lancés actuellement concernant l'obtention d'informations. Il y a un processus indépendant avec une session de 5 experts. Il y a un système d'examen au niveau du Congrès et également un système interne au sein de l'administration. Nous avons dit, et le président l'a dit, que nous obtenons des informations comme la plupart des pays, sinon tous les pays le font.
Et nous essayons de nous assurer que les activités d'obtention d'intervention ne vont pas à l'encontre de nos valeurs et ne vont pas à l'encontre des intérêts de tous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais si vous voulez venir me voir, je pourrais entrer dans plus de détails. Merci. Je voudrais vous rappeler qu'il y a que les questions ici devraient se poser sur les préoccupations des utilisateurs concernant la juridiction, leur juridiction. Alors, les actions des gouvernements qui ont un effet sur les utilisateurs. Jeannette, j'aimerais faire dire quelque chose d'important. Cette question est très importante pour notre forum. Et il va y avoir une session qui portera sur les surveillances effectuées par le gouvernement. Ce sera vendredi matin. Ça ne correspond pas au programme imprimé. Le programme sur le site web vous donne les informations. On s'est mis d'accord hier avec le groupe d'experts hier, donc qu'on consacrerait 3 heures vendredi matin à la question de la surveillance des gouvernements. Donc n'oubliez pas de vous référer au programme tel que donné sur l'Internet et non pas au programme imprimé. Et jeudi après-midi, on parlera des droits de la personne humaine et il y aura peut-être d'autres ateliers qui porteront sur ces points. Merci. Je viens du Bangladesh et je travaille pour une organisation à but charitable. Je voudrais juste prendre un exemple. Les politiques dans les pays en développement pourraient fonctionner bien, dans les pays développés pourraient fonctionner bien, mais pourraient poser des problèmes dans les pays en développement. Alors, une politique mondiale, c'est difficile à imaginer. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler à des politiques régionales? Comment donc pouvons-nous combler le fossé entre les besoins spécifiques et l'idée d'une politique globale? Merci. Pour moi, en fait, je ne sais pas si je peux y aller, hein, pour ceux qui doivent traduire. Pour moi, en fait, le gouvernement a naturellement la fonction de garantir la neutralité. Il a également la fonction de garantir le bien commun, sans omettre sa fonction primaire, qui est celle de la défense du bien public. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour que l'action publique ne se confonde pas à l'action des individus qui assurent le service public dans un espace Internet qui est entièrement consacré par deux mots. Le mot business, affaires, pour ceux qui sont dans le monde d'affaires, et le mot espace public et liberté, pour ceux qui sont du secteur, public et de la société civile africaine en général. Comment faire pour qu'on arrive à ce sillage-là de centralité. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour, Andrés Piazza. Vous avez le nom à l'écran, l'APNIC, il s'agit des adresses Internet pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La question porte sur la déclaration de Montevideo qui a été proclamée par 10 organisations Internet et en particulier s'adresse aux ambassadeurs du panel, mais également à l'ensemble du panel. Que pensez-vous du rôle de surveillance et comment est-ce que les gouvernements devraient se comporter à l'avenir dans ce contexte? Bien, est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, en fait,
Je voulais répondre à la question posée par le délégué de Tunis et également la question qui portait sur les besoins des pays en développement par rapport à une politique mondialisée. Je vais en fait utiliser ce que le ministre du Royaume-Uni a déjà dit parce que c'est un très bon exemple de la manière dont on peut procéder. L'établissement d'infrastructures, comme il a dit, c'est une des choses les plus importantes. Si le gouvernement ne fournit pas un environnement qui fonctionne bien, un fonctionnement qui fonctionne avec le secteur privé, sinon ce serait impossible d'établir l'infrastructure pour l'Internet qu'on prévoit pour l'avenir. Dans des pays comme l'Inde, par exemple, où la grande majorité de l'infrastructure et des internautes représentent 900 millions ou pardon, 900 millions pour les portables et 160 millions pour l'Internet. Et ça, c'est le secteur privé qui s'en occupe. Et le gouvernement a un rôle crucial au niveau de la consultation et de la mise en œuvre, la mise en place de l'ensemble. Mais la société civile a un rôle important à jouer, en particulier car c'est la société civile qui va ressentir les effets du cadre juridique. Il faut donc défendre l'égalité entre les sexes, éliminer la pornographie, en particulier avec les enfants ou les mineurs. Enfin, il faut que tous les groupes qui s'intéressent à ces points aient la possibilité d'intervenir. Et donc tout ce que le ministre du Royaume-Uni a dit est à prendre en compte dans ce contexte, c'est le fait que le gouvernement doit intervenir d'une manière acceptable. Mais pour répondre à la question de la Tunisie, lorsque le gouvernement n'est pas suffisamment fort pour organiser la consultation, pour organiser la manière dont les politiques sont décidées, il est important de mettre en place une institution indépendante. Dans l'infrastructure des télécommunications qui a été établie, la loi demande que les décideurs agissent d'une manière transparente et que tous peuvent avoir accès et peuvent prendre la parole, en particulier ceux qui ne sont pas satisfaits des décisions gouvernementales, et en particulier lorsque la transparence n'était pas là. Donc, il est toujours utile d'avoir une consultation la plus large possible. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Moussa Abdallah, régulateur à Bahreïn. Je voudrais juste faire une remarque et puis ensuite un commentaire et une question. Mais tout d'abord, merci aux panélistes pour leurs interventions, en particulier le diplomate du Brésil pour la proposition brésilienne. J'ai vu au FMPT, durant les délibérations du FMPT et également SMSI, qu'il y a une méfiance qui ne devrait pas être là vis-à-vis des gouvernements. J'ai entendu des questions telles que pourquoi est-ce que le roi du Bahreïn n'appuie pas le système multipartite. En fait, nous appuyons le système multipartite. Le roi appuie le système multipartite. Voilà juste un exemple où ce que l'on dit est mal interprété parce que ça passe par le filtre de ce à quoi on s'attend. Et donc, cette méfiance inconsciente, cette méfiance innée presque, il va falloir s'y attaquer, essayer de l'éliminer, ce qui n'est pas facile. Alors maintenant, pour ce qui est de l'intervention du ministre du Royaume-Uni, qui a dit ce qui est illégal
or dans le monde physique est illégal sur l'Internet. Eh bien, ça, c'est important, mais n'empêche que les lois sont différentes, les cadres sont différents dans les deux contextes et dans les différents pays du monde. Et pourtant, il y a un Internet pour le monde entier. Alors, comment est-ce que l'on peut prendre en compte la géographie physique dans ce contexte et s'assurer que les responsabilités de chacun sont respectées? Et j'en arrive donc à ma question, du coup. Dans quelle direction nous allons-nous nous diriger maintenant? On en parle depuis le programme de Tunis, et pourtant, on continue de revenir sur les mêmes points en permanence. Alors, on peut espérer que le débat qui vient de se produire récemment va finalement rompre le cercle vicieux. Et donc, la question, c'est où allons-nous? Bien, écoutez, j'espère qu'on n'est pas coincé dans un cercle vicieux. Je crois qu'on continue d'avancer. On voit quand même la manière de s'exprimer, les concepts évoluent. Je viens d'Indonésie, je viens de la société civile et je voulais revenir sur ce que le ministre du Royaume-Uni a dit avant. Moi, je viens de la société civile, mais je voudrais insister sur le fait que le gouvernement doit continuer d'intervenir. Par exemple, en Indonésie, on a vu ces 20 dernières années l'évolution de l'Internet et de la société qui vont très vite avec des conséquences pour la société au niveau de la culture, l'enseignement. Et dans ce contexte, je voudrais que le gouvernement suive cela de près. Mais évidemment, lorsque il y a des décisions qui sont prises, qui ont des répercussions très fortes, en particulier dans le contexte de l'éducation, dans le contexte de la culture, des valeurs, le gouvernement doit intervenir, mais doit bien réfléchir avant d'intervenir. Et voilà, c'était un commentaire plus qu'une question. Merci. Est-ce qu'il y a des panélistes qui veulent intervenir? Sinon, nous avons maintenant une question pour le ministre, Monsieur Ed Baissi. Jeanette, we have somebody over here who'd like to speak, if that's okay. Oui, il y a quelqu'un là qui veut prendre la parole, si. Merci. Anne Prasar, d'Indonésie. Et je voulais rebondir sur ce que mon collègue vient de dire concernant l'intervention du ministre du Royaume-Uni. Quand il y a une intervention gouvernementale qui porte sur le secteur commercial, on pense simplement que c'est le moyen, que c'est simplement une question de gros sous et de qui dispose des réseaux, etc. C'est donc une question d'argent, simplement. Est-ce que c'est réellement le seul endroit où le gouvernement devrait intervenir? I'll try and answer some of the points. Mais je vais essayer de répondre le mieux de mon mieux. Tout d'abord, je suis très heureux que l'on ait entendu mes quatre commentaires et les dernières questions montrent bien que vous m'avez entendu. Alors, le régulateur du Bahreïn posait la question de l'avenir. Un des modérateurs auparavant a dit qu'il s'agissait d'un livre en cours d'écriture et que donc l'écrivain ne sait pas toujours comment son livre va se terminer pendant qu'il l'écrit. L'auteur doit prendre en compte tous les protagonistes. Ça, c'est le plus important, c'est fondamental. Manifestement, comme je l'ai dit au début, les gouvernements vont prendre des décisions juridiques qui vont avoir un effet sur l'Internet.
mon gouvernement l'a fait, je l'ai dit, qui portait des lois qui portaient sur les titulaires de droits, et en particulier protection de la propriété intellectuelle avec les téléchargements sauvages ou pirates. Aux États-Unis, il y a un accord volontaire entre les fournisseurs de télécoms et les problèmes liés au non-respect des droits intellectuels. Alors maintenant, on peut prendre les choses à l'envers et vous voyez que lorsque quelqu'un, le titulaire d'un copyright et trouve qu'il y a un délit de commis concernant ses droits, il peut demander que le gouvernement intervienne. Ça ne pose aucun problème dans mon gouvernement. Par contre, aux États-Unis, ça pose un problème. Ça a posé un problème, un débat très, très important, titanesque. Et la proposition d'intervention du gouvernement a été abandonnée. Donc, les interventions des gouvernements, même dans le cas de cultures très semblables, États-Unis, Royaume-Uni, les approches peuvent être très différentes dans le même contexte. Mais l'intervention d'un gouvernement dans une question qui porte sur l'Internet, si vous voulez, le gouvernement s'intéresse de très près à la protection de la propriété intellectuelle, à la protection des enfants. Ça, c'est très sérieux pour nous. Et le fait que l'Internet soit si présent actuellement fait que certains enfants risquent d'être traumatisé par les contenus. Au niveau philosophique, il n'y a pas de barrière qui empêcherait le gouvernement d'intervenir ou qui, au contraire, obligerait le gouvernement d'intervenir. Mais moi, je crois, et mon gouvernement pense également qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre de contrôle de l'Internet. Nous appuyons la liberté d'expression, mais pour des raisons pratiques, nous voyons bien que l'Internet a apporté beaucoup d'innovations et a modifié les frontières. Et il est possible maintenant d'avoir des interactions avec des milliards de personnes. C'est formidable, c'est énorme. Et donc, ce débat permanent qui porte sur l'approche multipartite ou au contraire sur l'intervention du gouvernement, on doit bien comprendre que les pays développés et les pays en développement doivent bien comprendre que il faut garder l'approche multipartite. C'est l'approche qui a toujours permis le développement de l'Internet, les innovations. Une intervention trop forte, une position gouvernementale trop interventionniste pourrait, en fait, bâillonner des personnes qui ont des commentaires très importants à faire. Nous, l'Internet continue d'évoluer. On a déjà écrit beaucoup de chapitres de ce livre, mais il en reste encore beaucoup à écrire. Mais je pense que le principe fondamental doit toujours être le fait que ce livre doit être écrit à plusieurs mains. Je voudrais vous rappeler la première question de l'extérieur. Les gouvernements qui s'expriment pour un système multipartite dans les arènes, dans les domaines internationaux, dans les forums internationaux, parfois ont une politique beaucoup plus interventionniste chez eux. Et dans le cas du gouvernement du Royaume-Uni, comment est-ce que ça se passe? Bien, c'est-à-dire que nous, en fait, je crois que nous avons été les premiers à établir un IGF national. On a un groupe de consultation
multipartite. Et c'est ce groupe de consultation qui nous a permis de décider du cadre juridique que nous allions appliquer. Nous, de toute façon, nous consultons les parties prenantes pour toute législation que nous envisageons, puisque nous sommes une vraie démocratie. Et cela, en fait, les lois que nous proposons peuvent être remises en cause. Et en fait, la loi qu'on proposait sur l'Internet a été remise en question devant les tribunaux. Et donc, il a fallu nous tenions compte des interventions de tous. Mais notre approche, de toute façon, au niveau des politiques Internet, c'est une approche multipartite. Merci. Un autre commentaire sur le panel. Oui, le fait qu'il y ait une évolution permanente et que donc le rôle du gouvernement change en permanence. En Inde, il y a eu un cas très intéressant. Comme je l'ai dit, notre population est la deuxième plus grande du monde. Que ce soit pour les téléphones portables ou pour l'Internet. Et en fait, nous contribuons à hauteur de 5% au fonds de l'USO. Mais il fallait que l'USO permette aux zones les plus reculées, aux zones rurales, d'avoir accès à l'Internet. Mais pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'Internet, comme ça ne fonctionnait pas très bien, le gouvernement a changé les règles et maintenant, la législation a évolué et le gouvernement va mettre en place le premier système réseau de fibre optique au niveau national. Ça représente 4,5 milliards de dollars et ça permettra de connecter tout le monde. C'est un cas assez unique où les consommateurs ont contribué à la téléphonie rurale, ce qui a permis d'établir le squelette Internet en Inde. Et donc, voilà une preuve, un exemple d'évolution, d'innovation des gouvernements. La manière, par exemple, d'utiliser ce fonds, qui est maintenant tout à fait différente de ce qui était envisagé il y a 5 ans. Merci. Je viens d'Indonésie. Au niveau du multipartisme, j'ai une opinion. Chaque protagoniste est motivé différemment. Le gouvernement a comme motivation de réglementer l'Internet. Et cela est lié directement à la défense du droit souverain d'un pays. Alors que pour les acteurs privés, la motivation est plutôt une question de réponse à l'offre et de l'offre en fonction de la demande, pardon, et des profits qui peuvent en être tirés. La société civile, elle, a une autre approche également. Et les pays qui ont un système multipartite en place pour l'Internet essayent d'imposer ce système multipartite tel quel en l'état aux pays en développement. Comme s'il y avait un modèle qui pouvait s'appliquer, qui venait d'un pays développé et qui allait vers un pays en développement. Mais parfois, ça ne marche pas du tout. Nos cultures sont différentes. Nous avons des styles de vie différents. Nous avons des systèmes de gouvernement différents. Au niveau de la réglementation de l'Internet, entre autres. Et ça, c'est ma grosse question quand on parle du multipartisme. La semaine dernière, je parlais à un représentant de Microsoft qui était là pour parler de la réglementation gouvernementale. Et lui parlait de l'offre et de la demande, et nous,
le gouvernement, nous parlions de la surveillance qui permet de s'assurer que nous ne sommes pas soumis à des images pornographiques. Enfin, le rôle de l'Internet en général. Et j'espère que l'IGF peut permettre de concilier ces différents intérêts. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes intérêts au départ, mais il faut qu'on se comprenne, qu'on s'écoute et qu'on se comprenne. Et moi, qui travaille pour le gouvernement, j'ai souvent l'impression que la société me considère comme l'ennemi. Les sociétés privées me voient comme l'ennemi quand on parle de protection, quand on parle d'établissement d'une infrastructure, lorsque le gouvernement essaye de limiter, de mettre des barrières, alors nous sommes considérés comme l'ennemi. Oui, ça c'est un point de vue qui est très intéressant, et je crois lorsque le gouvernement est critiqué, la société intervient bien souvent pour dire que le gouvernement ne devrait pas intervenir dans l'Internet. Mais les milieux des affaires, la société civile doivent comprendre, doivent voir les choses sous l'angle du gouvernement, à la lumière de la pensée gouvernementale. Et ce sont des questions, et au Royaume-Uni en particulier, qui soulèvent les passions. La protection en particulier de la propriété intellectuelle. Je crois que l'Internet, les sociétés qui travaillent sur Internet doivent comprendre le gouvernement. Et en fait, c'est le meilleur moyen de protéger le système multipartite, de s'assurer que ce partenariat est un partenariat très fort. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut pour que l'Internet puisse continuer de se développer. C'est en fait un paradoxe quand une société, l'Internet, dit nous ne ferons ceci ou cela que si vous adoptez une législation sur le sujet. Ça nous fait plutôt rire parce que d'un seul coup, il demande au gouvernement d'intervenir. Bien entendu, il y a une question de fourniture d'outils. L'industrie Internet fournit des filtres qui permettent de bloquer l'accès à certains sites, et c'est la preuve que les questions qui concernent le gouvernement sont prises en compte par d'autres parties. Le secteur privé, la société civile ne doivent pas considérer le gouvernement comme l'ennemi et vice-versa. Ambassadeur Fonseca souhaite également réagir. Merci. Alors en fait, j'aimerais réagir à certaines interventions et des points très intéressants de soulever. Je pense que nous devrions réagir dans la mesure du possible. Tout d'abord, le professeur d'Inde qui a soulevé un point très important concernant ce que serait la perception du Brésil en ce qui concerne la participation de la partie prenante et à la lumière des préparatifs du sommet. Donc, comme je l'ai dit, nous avions l'intention d'avoir un processus participatif dès le début. Nous avons des idées, effectivement, et le ministre va donc les exprimer. Dilma Rousseff en a déjà fait part lors de l'Assemblée générale, mais nous essayons d'être constructifs et les parties prenantes doivent être pleinement impliquées. Donc, oui, nous souhaitons que vous participiez à ce processus pour répondre à votre question. En ce qui concerne les préoccupations que j'ai également mentionnées, notre proposition ne doit pas seulement être perçue comme un moyen d'améliorer la participation du gouvernement. En tant que gouvernement, nous essayons de voir comment nous pouvons opérationnaliser la participation du gouvernement, mais nous sommes également concernés ou préoccupés par la participation des autres parties prenantes. Et je souhaite faire une petite référence à un partenariat très positif que nous avons avec le comité directeur du Brésil. Vous savez que le gouvernement a des contraintes budgétaires, mais via ce comité directeur, les participants de la société civile peuvent venir aux réunions, et avec l'argent qui est recueilli via le fonctionnement
du point BR, eh bien, nous pouvons réinvestir de l'argent. Je pense que c'est un exemple très positif. Nous cherchons à voir comment nous pouvons assister, comment nous pouvons aider les autres parties prenantes. Je dis cela parce que il y a des organisations qui collectent des millions de dollars et ce serait très bien, très positif si nous pouvions soutenir le système dans sa globalité. Donc il faut voir comment on peut utiliser l'argent qui est recueilli. Également, ce que Parminda a dit, ce qui concerne les interventions sur un pied d'égalité. Ce qui concerne ce qui est mentionné par rapport à la conception des politiques publiques, eh bien, il est clair que c'est quelque chose que les gouvernements devraient mettre en œuvre sur un pied d'égalité. Donc, la lecture du paragraphe concerne l'adoption des politiques publiques dans le paragraphe 69. Lorsque l'on parle d'un pied d'égalité, eh bien, on se réfère au gouvernement. Et ceci dans le contexte d'un modèle multipartite. Mais c'est un concept qui doit exister. Donc, il s'agit donc des politiques publiques. Et ceci est clairement du côté du gouvernement. Apparemment, on fait la confusion entre plusieurs choses. On dit qu'on doit épouser beaucoup de choses et toutes les choses. Mais chaque partie prenante a un rôle et des responsabilités qui sont différents. Il ne s'agit pas de s'affranchir de ses responsabilités. Autre point, il y a eu beaucoup d'interventions liées à la façon dont nous pouvons étendre le rôle de l'IGF. Je souhaite apporter un commentaire. Ma délégation soutient fortement le fait que l'IGF ait une participation plus effective, orienté sur les résultats, c'est peut-être pas ça, mais que nous ayons une plus grande résonance en dehors des réunions. Lorsque j'étais à Bakou l'an dernier, c'était la première réunion IGF à laquelle je participais, et j'ai été extrêmement ravi de voir la teneur du débat, la richesse des informations, les notions qui ont été évoquées et le dynamisme de ce débat. Et ma délégation soutient pleinement ce processus. Donc, aux côtés des recommandations des groupes de travail, je pense que nous devrions travailler dans ce sens. Autre point, en ce qui concerne le problème de la confiance, eh bien, ceci doit être relevé dans la dernière session, mais du point de vue de ma délégation, il y a plusieurs moyens de relever cela. Il faut renforcer le débat sur l'éthique et la confidentialité. Et c'est ce que le Brésil a lancé à l'UNESCO et va donc reprendre lors de la prochaine conférence générale en novembre. Je me réfère également au discours de la présidente Dilma Rousseff aux Nations Unies. Donc, il faut avoir une discussion sur les principes et les normes qui régissent Internet et d'avoir un cadre. Nous pensons que ceci est un moyen constructif. Pour essayer d'affiner le cadre dont nous disposons. C'est une évolution très importante si nous pouvions arriver à cela. Autre point, c'est le rôle de supervision que pourraient jouer les gouvernements. Et je pense que la question se référait à la déclaration de Montevideo. Peut-être que cela faisait référence également à l'ICANN.
Et donc mon commentaire à cet égard, c'est que nous voyons le rôle de supervision des gouvernements se faisant sans être au détriment des autres parties prenantes. C'est quelque chose qui doit être préservé, donc la dimension multipartite, la prise de décision de bas en haut. Nous voyons l'évolution de l'ICANN et nous voyons quels sont les défis du 21e siècle. Peut-être que nous pourrions avoir une institution qui aurait un rôle de supervision internationale plutôt qu'un rôle de supervision simplement national. Et pour finir, en ce qui concerne les consultations qui n'existent pas dans les pays en développement, je pense que c'est dangereux de dire cela parce que les pays en développement compte plus de 100 pays avec des circonstances différentes, des contextes différents. Dans le cas du Brésil, nous avons une très forte tradition de consultation avec la société civile. Nous avons, au cours des dernières années, organisé plus de 100 conférences nationales sur des questions comme les droits de l'homme, les droits des enfants, etc. Cela donc démarre au niveau local, puis au niveau des États, au niveau régional et au niveau national pour finir. Donc nous sommes tout à fait à l'aise avec cette notion de consultation large. Donc c'est assez complexe. Nous voyons tous les points qui sont soulevés au niveau international. Il y a tant de moyens de relever ces défis selon les pays. Et pour finir, alors bon, je suis désolé, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais le point qui a été soulevé par, je crois que c'était le dernier orateur, concernant la motivation des gouvernements, eh bien je suis un petit peu surpris moi également, parce que cette motivation vient bien au-delà que de la protection de la souveraineté. Il faut également s'intéresser à la question de l'inclusivité, stimuler l'environnement, le développement économique. Nous sommes également concernés par les droits de l'homme, les droits des enfants. Donc il y a beaucoup de thèmes complexes. Et je suis tout à fait d'accord avec le ministre Edvesi. L'important, c'est de veiller à ce qu'au fur et à mesure que les gouvernements participent à ce processus multipartite, qu'il n'y ait pas de contradiction ou qu'ils ne soient pas perçus, que ces gouvernements ne soient pas perçus comme les ennemis. Nous avons des préoccupations très diverses. Nous avons des responsabilités très larges en ce qui concerne l'intérêt du public et dans plusieurs domaines. Et donc cela ne se limite pas à une seule préoccupation. Merci. Merci pour ces commentaires. Alors, est-ce que nous avons d'autres interventions? Alors, quelques petits mots en ce qui concerne l'organisation de la session. Alors, pour reprendre ce qu'a dit notre collègue du Bahreïn, quelle est la route à suivre? Nous pouvons convenir collectivement que nous souhaitons faire passer la vitesse supérieure à l'IGF et d'avoir des résultats plus tangibles, quelle que soit la forme. Donc ceci pourrait faire partie du résumé de la présidence et ceci correspond également aux recommandations du groupe de travail CSTD. Il faut que nous ayons des points de convergence, mais nous pouvons également souligner qu'il y a peut-être des points de divergence ou des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais après avoir écouté les discussions, je pense qu'il y a plus de convergence. Donc nous avons les quatre thèmes qui ont été mentionnés par M. Edvesi. Je pense que ceci recueille l'assentiment de tous. Bon, on peut travailler au détail de la réglementation, mais je pense que le fait que les gouvernements ont une responsabilité concernant les infrastructures pour l'environnement réglementaire et juridique et les devoirs de protéger les droits de l'homme et la liberté d'expression, eh bien, personne ne remet cela en cause dans cette salle et donc ceci a recueilli un large soutien. Les droits de l'homme, eh bien, nous n'avons pas vraiment abordé cela
en détail. Ceci s'est fait jour les dernières années et a également été abordé dans les forums de discussion sur Internet. Et donc, on pourrait parler du rôle des gouvernements. Lorsque l'on parle des partenariats, des parties prenantes, eh bien, le gouvernement ne devrait pas être perçu comme l'ennemi. Il y a eu quelques remarques qui sous-entendaient que c'était encore le cas, mais je pense que la salle est d'accord pour dire que nous devrions dépasser cela. Le gouvernement ne doit pas être perçu comme l'ennemi. Les gouvernements ont un rôle et nous devons travailler avec les gouvernements. Mais dans certains pays en développement, il y a peut-être quelques problèmes avec le système multipartite. Et donc cela a trait directement au renforcement des capacités. C'est ce qu'ont dit plusieurs orateurs. Nous devons insister. Donc nous devons aider les pays en développement pour trouver le moyen de s'intégrer à ce système multipartite, d'essayer de construire cette culture de coopération, d'engagement et de bénéficier des capacités de coopérer. Et ceci peut également prendre la forme d'une assistance financière, notamment en ce qui concerne les voyages. Alors, où est-ce que nous allons à partir de là? Eh bien, je suis d'accord avec la co-modératrice Jeannette. Nous faisons des progrès, mais peut-être que cela semble par moments être comme si nous tournions en rond. Peut-être que nous réabordons les mêmes questions, mais il faut les réanalyser au plus haut niveau, un haut niveau de compréhension. Alors, cela dit, vous êtes tout à fait encouragé à ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire pour reprendre la teneur de la discussion, mais bon. Donc nous pouvons donc redonner la parole, mais Monsieur Sepulveda, l'ambassadeur Sepulveda souhaite réagir tout d'abord. Alors très brièvement, nous voulons tous continuer les progrès et je veux donc m'arrêter un petit moment pour insister sur la valeur qu'ont ces discussions. Il ne faut pas imposer une solution à tous. Ceci permet d'avoir une discussion franche sur les thèmes qui ne sont pas encore solutionnés. Et ceci est très précieux. Ce processus est donc très précieux à cet égard. Autre point. Je pense qu'il y a eu d'immenses progrès qui ont été réalisés, même dans les courts délais, le court temps que j'ai pu servir pour nous rassembler et identifier ce que sont les défis et quelles sont les solutions potentielles à ces défis. Par exemple, nous sommes tout à fait d'accord avec l'analyse du Brésil et d'autres pour dire que les gouvernements des pays en développement et les sociétés, les industries, le monde universitaire, communautés ethniques, société civile, etc., dans le monde en développement ne participent pas de façon adéquate et n'a pas suffisamment de voix. La question est donc comment est-ce que nous pouvons traduire les choses dans le réel? Et je pense que nous avons réalisé des progrès dans les différentes institutions et cet appel a été entendu. Ceci se voit dans les différents forums comme ICANN par exemple qui accroît la participation ou l'assistance financière. Donc nous voyons une plus grande participation, donc à l'ICA notamment. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des progrès supplémentaires. Nous devons donc améliorer ce système. Ces discussions, donc là,
réponse à la question où est-ce que nous allons à partir de là. Eh bien, il semblerait que nous allions au Brésil en avril prochain. Ensuite, nous avons l'Égypte, où la conférence de communication mondiale va se tenir. Ensuite, en Corée. Nous avons des réunions, parce que nous nous basons sur les travaux qui ont déjà été accomplis et dont nous essayons de voir quel est le consensus possible en toute bonne foi. Et nous essayons de nous réunir, c'est-à-dire d'inclure tout le monde dans un Internet qui soit inclusif et ouvert. Du point de vue des États-Unis, et en nous basant sur de nombreuses choses qui ont été dites, notamment le ministre de Royaume-Uni, eh bien, il faut renforcer donc la connectivité du large bande. Nous avons également des programmes de développement, notamment un accès à Internet abordable. Nous rassemblons jusqu'à 30 acteurs de la communauté technologique du secteur privé et du secteur public pour savoir quelles sont les possibilités de politique. Donc, nous voyons comment les choses fonctionnent au Royaume-Uni. Il s'agit d'avoir comment nous pouvons avoir des politiques qui soient qui favorisent les choses. Donc, nous nous rassemblons autour de causes communes qui sont vraiment intégrées dans le déploiement et l'inclusion de tous de façon démocratique pour un Internet mondial. Je suis consultant privé pour une ONG. Oui. Je suis un consultant privé, mais je représente également l'IGF. Nous avons eu des consultations très intéressantes plus tôt. Alors, rapprochez le micro. Merci. Nous avons de très bons exemples. Alors, ma question, j'en ai trois. Je voulais vous faire part d'une expérience très personnelle que j'ai avec la société Internet. Je représente le gouvernement néerlandais pour enseigner au gouvernement comment s'attaquer au problème du spam. Et après ma présentation, j'ai entendu des questions et donc qui représentaient l'Amérique du Sud à l'UIT et ils nous ont posé la question de savoir comment l'UIT pouvait les aider. Donc, et ils m'ont dit, on pose cette question à l'UIT parce qu'on n'a personne d'autre vers qui se tourner. Donc, ils nous ont dit, on ne connaît personne de l'IETF, donc on ne sait pas comment faire des choses dans le domaine technique. Donc, la question, donc, c'est comment est-ce que la communauté des affaires techniques, les gouvernements peuvent changer cet état de fait pour que les connaissances soient diffusées dans les différentes régions. Et de voir des choses comme des groupes de travail qui sont prévalents aux États-Unis en Europe. Comment est-ce que les gouvernements avec l'industrie peuvent faire en sorte que les connaissances soient diffusées dans les autres régions. Et donc, autre question, est-ce qu'il y a une vision claire des besoins des gouvernements dans les régions où les conférences ont lieu? Il y a apparemment des gouvernements qui ne participent pas à ces conférences. Alors, regroupons les questions, tout d'abord, et nous aurons un dernier
tour de réponse de la part des panélistes. Alors, est-ce que l'on peut d'abord donner la parole à Avery? Et ensuite, le modérateur. Alors, de la Tunisie encore et aux États-Unis, donc elle demande. Il y a un écart dans la promotion des droits de l'homme dans les pays en développement. Et donc, nous voyons qu'il y a des déclarations qui sont faites à cet égard, mais il n'y a pas d'action concrète. Donc, nous voyons qu'il y a eu des fuites. Comment pouvons-nous dire que le gouvernement n'est pas l'ennemi lorsque les gouvernements s'engagent dans des pratiques qui sont totalement opposées aux valeurs qui sont mentionnées? Et comment est-ce que l'on peut impliquer le citoyen lambda dans ces conversations? Alors, Arnold de Rhein. Merci. Je remercie les panélistes de leur présentation. Et l'expression de M. Feizi était très intéressante. Le rôle des gouvernements doit être perçu comme étant un partenaire de réseautage plutôt que quelqu'un qui dicte sa loi. Donc, les ministres des Affaires étrangères sont en train de concevoir une étude à long terme pour savoir comment le marché des télécommunications aux Pays-Bas, quelle sera son évolution dans les 10 à 15 prochaines années. Tout ce processus qui est à l'œuvre se fait en coopération avec toutes les parties prenantes, les ONG, secteur privé, communautés techniques, etc. Et selon nous, ce modèle national de coopération est un modèle positif pour l'avenir. Et il serait très intéressant d'avoir le même système au niveau international. D'un autre côté, j'ai également entendu de la part des panélistes, je crois que c'était Avery Doria, elle a dit qu'elle avait certaines préoccupations en ce qui concerne le rôle le plus important des gouvernements, parce que les gouvernements essaieraient d'évincer les autres partis, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Donc cela indique, selon moi, que nous avons des difficultés pour définir le rôle adéquat des gouvernements dans ce processus. Et ceci a trait à l'essence du modèle multipartite. Donc toutes les parties prenantes impliquées devraient intervenir sur un pied d'égalité. Alors j'ai une question maintenant pour le panel. Comment est-ce que vous interprétez le concept de cet agissement en pied d'égalité, sur un pied d'égalité pour le, en ce qui concerne le rôle des gouvernements. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, une autre question. D'abord, je veux dire que c'est une discussion extrêmement intéressante et je suis ravi de voir la maturité, le niveau de confiance qui se dégage. Je vois qu'il y a différents points de vue. Et ceci est de bon augure pour ce que nous allons aborder demain, à savoir la gouvernance Internet. En ce qui concerne la transparence et la redevabilité des mécanismes existants, je sais que beaucoup d'organisations travaillent vigoureusement dans ce domaine. C'est quelque chose qui doit être stimulé depuis l'IGF, c'est-à-dire augmenter la transparence et la redevabilité. Il faut augmenter la participation, il faut rassembler les gens autour de la table. Au sein de l'ICANN, par exemple, je sais qu'il y a 193 pays dans le monde, mais je ne pense pas qu'il y ait 193 représentants autour de la table. Il faut donc rassembler les gouvernements. Nous avons des
organes chargés des normes, peu importe qu'il s'agisse d'organes nationaux ou internationaux, il faut veiller à ce qu'il y ait une plus grande transparence, une plus grande redevabilité, qui peuvent donc être faire l'objet d'une confiance de la part de toutes les parties prenantes. Merci. Merci, Nigel Higgs de l'ICANN. Alors, juste un petit commentaire. L'ICANN a été mentionné à plusieurs reprises, et je souhaiterais donc reprendre ce que mon collègue a dit, c'est que l'ICANN essaie d'internationaliser son fonctionnement. Nous avons plusieurs bureaux dans plusieurs régions. Alors, en général, je parle fort, mais bon, je vais rapprocher mon micro. Donc, notre directeur est en train de lancer une internationalisation des opérations de l'ICANN. Le GAC représente 129 pays et nous espérons étendre cette participation. Nous encourageons tous les gouvernements à participer. Donc la question, ou le commentaire plutôt, nous n'avons pas mentionné le SMSI et l'examen qui est à l'œuvre. Je l'ai mentionné l'ambassadeur des États-Unis. Nous allons avoir une conférence de l'UIT en Égypte en avril, et c'est une étape importante. Mais il y a une autre étape importante, c'est lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies devra réexaminer les dispositions en 2015. Et peut-être que le panel pourrait donner quelques indications sur ce qui va se passer dans le cadre de cet examen. Merci. Merci, Jeannette. Merci, le Président. Merci de me redonner la parole. Je souhaite réitérer le point qui a été mentionné par nos collègues. Il faut que nos solutions soient locales et nationales. Il faut que nous puissions résoudre les choses au niveau local. Alors, Marc, c'est une question pour vous. Je veux que plus de jeunes et plus de femmes, en particulier dans les économies émergentes et dans les pays marginalisés, participent au processus. Est-ce que vous pourriez parler du programme d'ambassadeur de l'ISOC? Et ce que fait l'IGF en tant que plateforme? Et il faut également institutionnaliser les meilleures pratiques, internationaliser les expériences. Le gouvernement indien fait des efforts dans ce sens. Et donc, lors de la troisième journée de notre réunion, notre conférence, eh bien, nous allons organiser une intervention dans la salle 3 à 11 heures. Bonjour, je m'appelle Wolfgang, je viens du monde universitaire et je souhaite réagir à l'intervention de notre collègue néerlandais en ce qui concerne la définition de ce pied d'égalité. Il faut donc revenir à la définition de la gouvernance Internet qui a été élaborée par le groupe Travail sur la gouvernance Internet et qui a été adoptée par les chefs d'État. Première partie de cette définition, nous avons différents rôles des parties prenantes et du gouvernement. Mais la deuxième partie de cette définition est encore plus importante parce que cette deuxième partie parle des procédures partagées de prise de décision. Nous devons donc décider de qui prend une décision. Donc, quelle est donc l'idée de ce processus partagé de prise de décision pour notre collègue néerlandais qui représentait son gouvernement? Le programme de Tunis doit peut-être être considéré comme un livre en cours d'écriture. Alors, est-ce que l'on peut redonner la parole? Alors oui, Jeannette, nous avons entendu donc notre collègue du Bahreïn qui voulait savoir quelle était la voie à suivre, et donc je pense que nous avons partiellement répondu à cela. Nigel de Laikan a également soumis une question concernant le paysage au cours des 18 prochains mois. Donc,
Si le panel pouvait apporter un commentaire sur comment ce processus multipartite peut évoluer à l'avenir. Merci. Right, fine. Merci. Alors, n'oublions pas qu'il y a d'autres sessions qui seront organisées durant cette semaine qui porteront sur des questions semblables. Demain, on va parler des principes de gouvernance de l'Internet, des principes de la coopération entre les différents protagonistes, collaboration et coopération. Il y aura une session sur les droits de la personne humaine et puis, comme je l'ai dit, également, on va parler de la surveillance et puis le dernier jour, on aura l'occasion de prendre tous la parole, tous ceux qui le souhaitent, sur l'ensemble de ce qui s'est passé durant la semaine. Alors, on prend les questions dans l'ordre. Alors, on va commencer au bout, à droite pour la salle. Merci, je suis heureuse de pouvoir répondre. Il y a tellement de questions auxquelles j'aimerais répondre, mais bon, je vais me limiter à quelques-unes seulement. Mais il y a quand même quelque chose que je voulais dire. Suite à la question qui a été posée, la question numéro 3 qu'on voit. Est-ce que l'exercice des droits souverains par les nations peut-il être restricté concernant le droit des utilisateurs dans d'autres juridictions ? Et moi, je dirais même dans la même juridiction. Je crois que ce qu'il nous faut examiner dans ce contexte, quand on parle de la gouvernance Internet et des restrictions que certains gouvernements appliquent concernant les droits de la personne humaine, tels qu'exprimés sur l'Internet, eh bien, lorsque ces droits sont restreints, je crois qu'il y a des groupes beaucoup plus importants que simplement ceux qui défendent l'intérêt national doivent s'intéresser à cette question et ne pas éliminer la question des droits de la personne humaine au nom de la souveraineté nationale. Cette vieille idée de la souveraineté nationale, comme quoi le chef a toujours raison, doit être remis en question. Le programme de Tunis ne nous restreint absolument pas. Nous sommes tous sur un pied d'égalité. Si ce qui se passe ne correspond pas aux droits de l'homme, nous pouvons tous intervenir, nous pouvons tous en parler et on devrait également nous écouter. Et je crois que on ne doit pas oublier que on ne doit pas se limiter à cette notion étroite de souveraineté d'un pays ou d'un autre. Parce que les pays ont accepté de se mettre tous sur un même plan concernant les droits de la personne humaine. Il y a des conventions qui défendent les droits de la personne humaine. Il faut toujours revenir à ces documents qui ont été signés, ratifiés. Et on doit donc se poser la question, est-ce que le pays X est en train de faire correspond bien aux obligations internationales auxquelles il souscrit ? Et on peut encore aller plus loin et dire que vraiment, on peut, comme maître étalon, utiliser ceci et ne pas se masquer, se cacher derrière cette notion de souveraineté pour protéger les actions et les interventions qui vont à l'encontre de ce que les pays ont ratifié. Nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà, j'en resterai là. Merci, Yari. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question des gouvernements et des autres organes ou organismes qui doivent mieux se connaître. À l'ITF,
l'IETF, pardon, on a vraiment réussi à organiser des programmes volontaires, si vous voulez, de politique de l'ISOC pour regrouper, pour réunir des représentants de différents protagonistes. Et je crois que il y a d'autres organisations et d'autres programmes qui devraient ou qui font déjà la même chose. Mais l'IETF, nous avons un groupe de travail d'experts et nous allons parler à différents gouvernements, de différentes organisations pour leur présenter ce qui va se produire. Ce sont des informations donc pour que personne ne soit pris par surprise. L'autre responsabilité, c'est que le monde entier participe. La technologie Internet n'est pas la même partout, ne fonctionne pas aussi bien partout. Dans mon pays, en Finlande, nous nous intéressons beaucoup à ce sujet, mais ce n'est pas vrai de tous les pays européens. Et bien entendu, dans le monde. Alors, évidemment, il y a des prises de décision qui sont centralisées, mais notre devoir est de faire participer tout le monde. Et on le fait avec un programme où on demande à des personnes de différents pays, de pays en développement par exemple, leur point de vue. On essaye vraiment de leur tendre la main et de leur tendre le micro surtout pour qu'ils puissent s'exprimer. Je voulais parler également, suite à un commentaire qui a été fait sur la déclaration de Montevideo, l'ambassadeur du Brésil a dit plutôt que le système multipartite demande une participation très forte. C'est vrai. Juste un exemple, l'IETF, on dépend vraiment de l'IGF au niveau des fonctions de chacun. Et au niveau, par exemple, de l'allocation de différents nombre de ports de registration. Ça fait longtemps que le gouvernement américain a des organisations sous contrat qui s'occupent de ça. Et ensuite, les communautés peuvent intervenir au sein de l'ICANN qui a été établi. C'est un exemple de l'évolution. Il y en aura d'autres, sans aucun doute, dans le contexte des modèles qui ont été créés et de voir comment ces modèles peuvent s'appliquer d'un pays à un autre. Et on demandait dans quelle direction on se dirigeait maintenant. Eh bien, pour conclure, il nous faut continuer d'établir des contacts entre les différentes personnes qui ont besoin de se parler, mais que ce soit bien un échange et non pas simplement le gouvernement qui impose quelque chose, ou l'inverse d'ailleurs. Nous avons besoin d'informations de la part du gouvernement, mais il faut aussi qu'il nous écoute. Deuxièmement, il faut que les différentes parties de ce système continuent d'évoluer et puissent évoluer au niveau de la gouvernance Internet. Et puis finalement, dans ces forums, ces processus, ces discussions, il faut qu'il y ait vraiment l'intervention de tous. On ne devrait même pas se poser la question de qui est responsable de quoi. On est tous responsables de tout. Et on doit écouter tout le monde. L'Internet est pour le monde entier, et donc tous les protagonistes doivent pouvoir s'exprimer lorsqu'ils le souhaitent, et en fonction de l'évolution des choses. Je vois qu'on est tous d'accord sur cette idée de multipartisme. Merci. Bilat.
Merci, Marcus. Je vais essayer de me limiter à trois points. Premièrement, la question d'être sur un pied d'égalité. Un exemple. Ce qui a été dit dès le début, le gouvernement est responsable de l'infrastructure. Alors là, on ne voit pas vraiment comment on peut travailler sur un pied d'égalité avec les autres. Alors, l'idéal serait que le gouvernement comprenne que l'investissement privé peut intervenir dans ce domaine. Et les fonds publics devraient plutôt se porter sur les points sur là où il n'y aurait pas d'investissement privé, par exemple l'éducation primaire, la santé rurale dans les milieux ruraux, l'infrastructure rurale, les infrastructures telles que les routes, etc. Alors, à partir du moment où on a une question de décision de politique et où il y a un financement disponible avec des fonds publics, à ce moment-là, bien entendu, on doit continuer de permettre un investissement étranger direct ou en fonction du pays, ce qui est le plus acceptable. Ensuite, il va falloir rédiger la législation, les lois, pour permettre d'établir la confiance des investisseurs et un investissement, construire un environnement où les investisseurs peuvent investir. Une fois que tout cela est mis en place, alors à ce moment-là, le secteur privé, lui, doit apporter le capital, doit construire l'infrastructure, etc., etc. Et le gouvernement, lui, va agir comme un régulateur indépendant et dans cette capacité, donc, contrôler comme on a contrôlé le secteur des télécoms. Et à ce moment-là, la société civile aura un rôle important à jouer. Parce que ceux qui déterminent les domaines qui ont besoin d'aide avec le gouvernement, et donc aide le gouvernement à décider de cela. Alors, par exemple, quel genre de programmes sont intéressants? Santé, la cybersanté, l'éducation à distance, enfin, différentes choses. Et ensuite, on pourrait, avec l'aide du gouvernement et après l'intervention du secteur privé, voir ce que le secteur privé peut faire. Au niveau technique, par exemple, là, ils interviendront pour examiner le spectre, qui peut être utilisé, essayer de l'utiliser au mieux, au maximum. Quelle technologie va permettre aux personnes en général, mais aux femmes ou aux moins privilégiées de pouvoir jouer leur rôle, le rôle de l'université, etc. On peut continuer comme ça la liste, mais vous voyez que chaque protagoniste participe. Tous ceux qui ont été identifiés dans le programme de Tunis ont un rôle dans le contexte de l'établissement de l'infrastructure. Et puis, on pourrait parler des quatre autres points, tels que l'établissement d'un cadre, etc. Mais ce sont les consommateurs de demain qui vont vous dire les services dont ils ont besoin, l'éducation, les connaissances dont ils ont besoin, les capacités qui sont nécessaires au niveau du réseau pour permettre au réseau d'être le mieux adapté aux besoins du 21e siècle. Alors voilà, là on a une intervention, et c'est ce que le secteur privé, c'est la manière dont le secteur privé voit les choses, bien entendu. Ça permet à tout le monde d'intervenir à égalité pour que ce puzzle soit constitué. Il y a 2,7 milliards de personnes qui sont en ligne, c'est-à-dire 40% du monde. Seuls 16% de la population de l'Asie sont en ligne. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Alors voilà le genre d'objectif qu'on peut se fixer pour l'avenir. Je voulais également dire ce que le gouvernement pourrait faire pour renforcer le processus.
multipartite. Il y a des bourses qui sont offertes, je ne sais plus combien il y en a, pour les jeunes, pour leur permettre de venir à des manifestations comme ceci, des forums comme ceci, et également pour participer au niveau national dans leur propre pays, mais aussi au niveau international. Et donc des bourses qui dépendent d'un financement du secteur privé et des gouvernements, et qui existe donc pour permettre à plus de personnes d'être actifs. Et puis, il y a le domaine des nouvelles technologies. Par exemple, on n'a pas encore parlé beaucoup de l'Internet mobile ici, le M2M. Et là, c'est énorme. Et il faut vraiment renforcer ce secteur. Mais bon, pour finir, je dirais que 2014-2015, ce sont des années cruciales. Ne décidons pas dès maintenant dans quelle direction nous voulons aller. Restons ouverts à toutes les possibilités. Et ça permettra, et comme ça, grâce aux réunions qui vont être organisées en 2014-2015, nous pourrons vraiment décider. Oui, j'aimerais bien permettre au public de reprendre la parole. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler trop longtemps. Nous sommes dans un processus au SNSI de réexamen après 10 ans. Nous avons un examen qui est très complet sur les lignes d'action, sur l'intervention au niveau de la communauté internationale. Et je crois qu'il faut terminer cet examen tout d'abord et ensuite voir là où il faut intervenir, là où l'action est la plus urgente. Ne décidons pas trop tôt. Je sais que l'examen a déjà commencé alors que nous n'avons pas 10 ans, mais c'était nécessaire de commencer les discussions dès maintenant pour pouvoir ensuite voir dans quelle direction se diriger. Ça, on n'en est pas encore là. Mais il faut qu'on commence à réfléchir à tout cela pour qu'on soit prêt quand le moment sera venu. Et puis, il y a la question du mandat de l'IGF. Alors, maintenant, monsieur l'ambassadeur du Brésil, monsieur Fonseca. Merci. Pour clore la discussion, je vous rappellerai que, dans les yeux du Brésil, le modèle multipartite, et dont l'IGF est la meilleure manifestation. C'est une base extrêmement importante. C'est un point de rencontre. C'est un point d'échange d'idées, de rencontre entre les différentes parties prenantes et donc de fertilisation croisée d'idées, d'efforts. Et nous sommes convaincus que la qualité des décisions, la légitimité des initiatives est renforcée par ce processus qui permet à tous d'intervenir. Le gouvernement, la société civile, le secteur privé, enfin tous les protagonistes qui sont cités dans le protocole, dans la déclaration de Tunis, le programme de Tunis. Et j'aimerais proposer un acronyme pour ceci, c'est l'ICT, I-Information. Beaucoup de personnes ont insisté sur l'importance du fait que tout protagoniste doit être informé de ce que font les autres, de ce que pensent les autres, et ça c'est le point de départ. Et donc ça c'est le point de départ. Ensuite on a le C. C, c'est la coopération qui doit se faire, qui ne peut pas se faire sans information. Donc coopération. Dans ce domaine, il faut identifier toutes les possibilités de coopération qui existent. Et puis finalement, le T pour trust, c'est-à-dire confiance, avec une reconnaissance mutuelle, avec une participation de tous, il y aura une acceptation de tous, de la part des gouvernements, de la part des autres protagonistes.
Ça veut dire qu'il faut une évolution de la culture Internet, on doit, et de notre culture en général. On doit, le gouvernement a une tendance à gérer les choses d'une certaine manière. La société civile a une autre approche. Et il faut travailler la main dans la main. Il faut donc trouver des nouvelles manières de penser plus créatives. Et c'est la raison pour laquelle la session qui va porter sur le rôle des gouvernements, dans une session pardon, qui porte sur le rôle du gouvernement, nous sommes très heureux d'avoir participé à cette discussion, car vraiment, du point de vue du gouvernement, c'est parfois étrange de voir des gens qui disent le gouvernement ne devrait pas intervenir et qui pourtant sont bien heureux parfois de voir le gouvernement intervenir. Au Brésil, c'est le cas. Dans le cas, par exemple, de l'Amazon, le gouvernement doit intervenir pour l'infrastructure. Le gouvernement, en coopération avec les autres parties prenantes, doit mettre en place des politiques qui garantissent la connexion des communautés amazoniennes à l'Internet. Ça, le secteur privé seul ne s'en chargera jamais. Le gouvernement a un rôle clé à jouer pour les zones reculées. Et puis, le gouvernement doit aussi intervenir au niveau de la défense, par exemple. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut identifier les domaines dans lesquels, les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord entre les différents protagonistes et s'assurer que le dialogue est engagé. Et que le gouvernement, donc, reconnaît la nécessité pour les autres parties d'intervenir et d'être entendu. Et puis, brièvement, je vais parler du sommet qui va être organisé au Brésil. Et je prends note du fait que des préoccupations de certaines parties concernant la manière dont ce sommet portera sur les processus existants. Vous savez, le Brésil respecte tous les processus existants. Et nous avons participé à toutes les consultations organisées dans le cadre de ces différents processus. Et bien entendu, au Brésil, nous allons nous assurer que la réunion a fait sens. La réunion de Sharm el-Sheikh, bien entendu, est un processus très important. Et le CSTD... La réunion du CSTD qui examinera le rapport du groupe de travail devra examiner cela. Mais nous pensons qu'il est temps d'organiser un examen de la situation en 2014 ou au début de 2015. Fin 2014 ou en 2015, pour s'assurer que nous tenons compte de tout ce qui s'est passé depuis la réunion de Sharm el-Sheikh. Et comme l'ambassadeur Sepulveda le disait, c'est très important. Le groupe de travail doit également donner des idées sur une coopération accrue entre tous et les domaines dans lesquels les gouvernements devraient intervenir. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il est vraiment nécessaire d'organiser une réunion de haut niveau, au niveau des plénipotentiaires, pour vraiment prendre en compte ce qui a été dit, sans remettre en cause ce qui a été dit, sans modifier ce qui a été dit d'une manière ou d'une autre, mais simplement de s'assurer que l'on a bien pris note de tout, de manière à ce que les décisions prises sont les bonnes et que on ne passe pas à côté de décisions qui sont nécessaires, qui doivent être prises. Je crois que ce serait vraiment dommage
de ne pas profiter du fait que l'on vient de, on va fêter notre 10e anniversaire, enfin le 10e anniversaire du sommet de Tunis, pour faire cet exercice d'examen en profondeur. Et puis finalement, je voudrais remercier tous les collègues du panel et les personnes dans la salle qui ont participé à cette conversation très intéressante et très active. Alors, il nous reste 3 minutes. Donc, je serai bref. Je crois que l'IGF doit être plus visible. Comme le premier intervenant du dernier groupe de questions l'a dit, c'était très valide. L'UIT existe depuis longtemps, bien plus longtemps que l'IGF, et il est important de voir comment l'IGF peut prendre une plus grande importance. Et le gouvernement du Royaume-Uni en est très conscient et fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir l'IGF. Il est également important qu'à la fin d'une réunion de l'IGF, même s'il n'y a pas de proposition au niveau de la politique, il faut quand même qu'on voit bien quelle est l'ambiance, quel est l'environnement, s'il y a des consensus, quels sont les thèmes qui ont émergé, de manière à ce que on sorte de ces réunions de l'IGF avec quelque chose. Non, on a été d'accord pour certaines modifications qui ont été importées à l'IGF, qui pourtant n'ont peut-être pas été les meilleures, et nous les avons appuyées au départ. Et bon, bah, il faut tenir compte de l'évolution de la situation, de l'évolution de l'IGF, et continuer à parler de la question de la gouvernance pour Internet. Et je suis entièrement d'accord avec ce que Nigel Hicks a dit à ce sujet. Et je crois que c'est vraiment très important également de faire bouger l'ICAM, qu'il soit présent dans le monde entier. J'ai un peu perdu pied sur la question du pied d'égalité. Et je crois que ce qu'on peut dire pour les 30 dernières secondes, que c'est ce processus d'examen qui va nous permettre de s'assurer qu'on est sur un pied d'égalité. Et aussi, n'oublions pas que ce qui a l'air de... Concentrons-nous sur les problèmes, ce qui a l'air de fonctionner. N'y touchons pas, surtout pas. Ce modèle multipartite, ce modèle participatoire entre le gouvernement et les autres parties prenantes sur un pied d'égalité, c'est vraiment le modèle qui a l'air de fonctionner parfaitement, ou en tout cas très bien. Il fonctionne très bien au Royaume-Uni, fonctionne très bien pour beaucoup de pays, au niveau de l'économie, au niveau de la société. Et je crois que ça fonctionne bien aussi dans les pays en développement. Et c'est bien la preuve que nous avons fait le bon choix. Alors maintenant, je crois qu'il faut se tourner, il faut se concentrer davantage sur les pays en développement et sur les milliards de personnes qui vont finalement être en ligne bientôt dans les quelques années à venir. Et à la réception du gouvernement indien, jeudi, je crois qu'on va vraiment découvrir ce qui se passe dans leur pays. C'est un défi énorme. C'est millions de personnes qui vont faire évoluer l'Internet, encore une fois. Merci, je voudrais remercier l'ensemble du panel. Et je crois que, au vu de la conversation d'aujourd'hui, demain, nous allons encore avoir une conversation très intéressante. Je vois qu'il y a beaucoup de convergence parmi nos points de vue. Le partenariat, vraiment, c'est ce qu'il faut relever. La confiance, le partenariat et la recherche de convergence avec une plus grande participation des pays en développement au niveau de la gouvernance. Je crois que c'est la première fois qu'un ministre participe pendant 3 heures à une session. Et il n'avait donc pas de discours sous les yeux. Donc merci de votre participation très active.
Oui, donc il y avait des gens qui s'inquiétaient que j'allais durer pendant 3 heures. Mais merci. Je souhaite également remercier notre modérateur à distance. Et merci d'applaudir l'ensemble des panélistes. La réunion est donc levée et nous reprendrons nos travaux à 14h30 pour la cérémonie d'ouverture.